Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 1 heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier Portela. Bonjour Xavier. Salut Franck. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur behance.net/live/fr. J'espère que vous connaissez un petit peu le concept et sinon je vais vous aider un petit peu, je vais essayer de vous guider. On est sur une chaîne qui donne très régulièrement des contenus de création, d'inspiration, de tutos sur toutes les applications Adobe Creative Cloud. Par exemple, lundi à 14h, Pauline recevait Émilie Viscano. Elles ont parlé de typographie, de graphisme, de mise en page. Hier, j'étais sur la peinture numérique. Demain, je reçois Vincent Gau qui fait partie de l'équipe Substance et qui va nous présenter Stager, Painter, Designer et Sampler. Et vendredi à 14h, Pauline recevra Camille Buisson pour parler branding et business. Donc ça nous fait pas mal de sujets, ça nous fait pas mal d'activités diverses et variées au niveau des créations. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur la photographie et un petit peu la vidéo d'ailleurs aussi avec Xavier. Et Xavier, du coup, c'est à ton tour. Dis-moi en quelques mots et sans images, comment tu te définis, comment tu te présentes? Je suis photographe, vidéaste et directeur créatif. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu en même temps, mais dans l'évolution des choses, ça s'est mis vraiment. Là, c'est vraiment les trois domaines dans lesquels je travaille. Très bien. Et je pense que peut-être ça peut être intéressant pour le public de regarder quelques-uns de tes boulots. Est-ce que tu préfères qu'on jette un œil sur ton portfolio ou sur ton showreel? Le showreel, c'est pas mal parce que je pense qu'en 1 minute 20, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de boulot que j'ai fait. Alors écoute, je lance ça, on est dans un coin et on peut parler dessus, donc vous pourrez échanger avec nous. Attention, c'est parti. Tu le lances en même temps que moi, comme ça tu sais où on est. Ouais. C'est parti. Donc ça c'est un de mes premiers voyages en Islande où je testais le drone. J'avais jamais fait de drone auparavant et donc je mixais ça avec photographie. C'était un bon test parce qu'en Islande, il n'y a pas beaucoup de risques. Puis ça c'est Osaka au Japon, New York. Donc c'est un mélange vraiment de ce que j'aime, donc l'urbain, les portraits. J'aime bien mélanger tout ce qui est un peu chaotique, villes urbaines bien animées et le côté humain avec des visages, comme j'aime bien dire, des visages assez forts, des bonnes gueules, quoi. J'ai pas mal de time-lapse aussi parce que comme je fais de la photo de nocturne, je passe pas mal de temps avec mon trépied à faire des photos. Et donc du coup, je me retrouve avec pas mal de photos du même endroit, ce qui me permet de créer après des petites animations, qui permet de rendre mes photos un peu plus vivantes. Alors là, il y a vraiment un mélange de tout, hein. Hong Kong, Chicago, Tokyo, New York en hélicoptère. Cool. C'est vraiment un bon mix de tout ce que je fais, quoi. C'est assez magique tout ça. Et d'ailleurs, moi, je vais vous passer tout à l'heure le lien vers le portfolio de Xavier. Comme ça, vous pourrez cliquer, vous pourrez regarder. Et comme vous le savez, hein, de toute façon, on est sur Behance exprès pour ça. Vous avez son lien et vous avez les vôtres directement sur les petites vignettes. Comme ça, vous pourrez nous retrouver et vous pourrez cliquer et compléter votre session. D'ailleurs, j'y pense, j'ai pas dit bonjour à tous les gens qui nous suivent. Du coup, du côté YouTube, bonjour à Chris, Thierry, Daniel, François et Coquely. Et du côté Beyond, bonjour à Delphine, Véronique, Nikki, Yves, Virginie, Franck, un autre, un troisième, Denis, Léa et bienvenue à tous. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui ne savent pas, hein, d'ailleurs, il y a un chat. Donc quand vous avez envie d'échanger ou de poser une question à Xavier, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, on a surtout beaucoup de bonjour, ce qui est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que tu dirais si je partageais ton écran pour qu'on regarde un petit peu et tu nous racontes ce parcours? Avec plaisir. Allez, c'est parti, on est chez toi. On est chez moi, ok. Et ben, donc j'ai un parcours un peu éclectique au niveau de la photo, puisque j'ai pas commencé par là. Et donc peut-être pour essayer de
de ramener les gens à comment ça s'est passé, je vais revenir en arrière et je vais un peu parler de ce que je faisais quand j'étais enfant. Donc ce que je faisais juste comme ça quand je m'amusais. Et donc il y avait trois choses importantes quand j'étais gosse, c'était les Lego. Je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de gens. C'était créer des histoires, monter mes Lego. J'étais hyper perfectionniste, donc il fallait qu'il soit exactement monté comme sur la boîte. Et quand j'avais terminé, la première chose que je faisais, c'était le démonter, le casser et reconstruire avec les pièces autre chose que j'avais à l'esprit, quoi, recréer mon histoire. Et c'était un peu comme ça pour tout. Par exemple, ça, c'était la chenille de mon père à l'époque, hein, donc c'est très, très rétro, hein, pas de touchscreen, des boutons partout. Et c'est... Moi, quand j'étais enfant, ben, je me mettais là-devant et c'était comme le cockpit d'un vaisseau spatial et je m'inventais des histoires, je touchais à tous les boutons, etc. Et bah, quand mon père revenait et qu'il allumait sa stéréo, bon, il rigolait moins. Ça criait dans tous les sens, ouais. Voilà, mais exactement. Mais de nouveau, je créais pas mal d'histoires et tout. Et de même, je piquais toujours son appareil photo. Donc, il avait un argentique, hein, donc c'était pas encore, on n'avait pas encore tous les numériques. Et toujours, j'avais envie de lui piquer son appareil pour aller prendre des photos qui étaient pas très intéressantes, mais c'était juste le principe de pouvoir jouer avec tout ce qui était comme ça électronique. Et ça, c'était un peu mon enfance. Mais par contre, à l'adolescence, j'étais vraiment un geek. Et alors, mais vraiment informatique pure et dure, quoi. Donc, c'était programmer, c'était apprendre à coder, etc. Enfin, j'adorais ça. Je me disais que j'allais devenir probablement ingénieur informatique ou un truc du genre, développer des programmes. Et du coup, j'ai fait des études en multimédia parce que ça me permettait de... à la fois étudier un peu d'informatique, de code, etc. Mais aussi, à l'époque, on apprenait à faire un peu de 3D, un peu de graphisme, un peu de web design, etc. Donc, c'était très vaste et ça me permettait de toucher un peu à tout. Et quand je suis sorti de mes études en multimédia, j'ai travaillé comme web développeur. Donc, rien à voir avec la photo ou la vidéo. Aucun lien, vraiment aucun lien pour le coup. Aucun lien, quoi. Donc, j'étais vraiment... 6 ans à faire, à coder des sites internet, principalement pour des agences et puis sur la fin, je travaillais pour Bose, la marque de baffles, et toujours à faire des sites internet pour eux. Et puis j'en ai eu un peu marre, je m'ennuyais en fait, et je me suis dit en fait j'ai envie de devenir freelance pour faire ce que j'ai envie. Donc j'ai démissionné, je suis passé d'employé à freelance. Et le truc c'est que j'avais pas envie de devenir freelance développeur, quoi. J'avais pas envie de devenir un indépendant développeur, etc. Je voulais aussi changer de métier. Donc, je me suis dit, quitte à devenir indépendant, je vais passer de développeur à photographe. J'ai fait un jump de boulot et de carrière. Mais alors, du coup, quand tu dis que t'es passé de développeur à photographe, je suis sûr que tu vas nous expliquer ça, mais t'es passé d'un métier où il y a finalement peu d'images, ou en tout cas d'images que t'as créées, à un métier où t'es censé faire que ça. Ouais. en fait, donc j'avais pas énormément de bagages. Mais ce qu'il y a, c'est que je faisais pas mal de photos sur le côté. C'était un hobby, mais un hobby sérieux, quoi. J'en faisais tous les week-ends. J'en faisais depuis 3-4 ans avant de faire le jump. Et j'avais déjà un peu le classique, quoi. J'avais fait quelques mariages. J'avais déjà fait quelques clients. J'avais déjà bossé pour quelques clients au niveau photo, mais j'avais jamais rien fait de commercial. Et donc du coup, je suis arrivé à un stade où les clients m'envoyaient des briefs en me disant « Bonjour, on a vu que vous étiez photographe, on voudrait savoir combien ça coûterait de faire ça. » Et donc, par exemple, ici, j'avais un exemple d'un je pouvais avoir un client qui allait me demander « Tiens, combien ça coûterait de faire une vidéo pour une recette de cocktail. » Okay. Et le truc, c'est que j'avais pas ça dans mon portfolio, je savais pas combien ça coûtait. Donc, je courais au magasin, j'achetais tous les ingrédients, je revenais chez moi. Je commençais à faire le cocktail moi-même dans ma cuisine avec mon appareil photo sur un trépied. Je me filmais. Et une fois que j'avais terminé ça, au bout de 10 prises, je faisais le montage et je répondais au client « Désolé pour le retard, j'étais occupé sur un autre projet. À propos, j'ai déjà fait un truc comme vous me le demandez. Voici une version du truc. » Et j'essayais de voir si ça allait marcher, ça allait prendre, quoi. Et donc, j'apprenais en même temps que j'essayais de choper le client. Et donc t'avais 3 heures d'avance sur ton client, même quand tu partais avec du retard. Oui, c'est surtout, j'étais souvent à m'excuser du délai de ma réponse. Et donc, du coup, bon, ça marchait pas souvent. Mais ça me permet d'apprendre. Et en fait, au bout de quelques années, quand même, ça, c'est
une vidéo que j'ai fait justement pour une marque assez connue. Et quelques années plus tard, et où on peut quand même voir la différence quand on finalement, à force de s'entraîner sur des briefs, on arrive quand même à créer quelque chose au final, quoi. Mais tout ça suffisait pas au début, et comme tu disais, la question de passer de développeur à photographe sans avoir vraiment un portfolio et un bagage derrière soi, ça devenait problématique, et j'avais besoin de me créer un gros portfolio, parce que l'air de rien, après 6 ans à avoir travaillé, je pouvais pas me permettre de plus rien avoir comme revenu, quoi. Bah oui. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre mes photos sur des banques de stock en me disant peut-être ça va me rapporter un peu d'argent pour pouvoir un fonds de roulement m'aider. Pour pouvoir au moins payer le matos. Exactement. Et donc du coup, j'ai mis mes photos donc sur cette banque d'images dont je n'ai reçu aucun contact pendant 1 an. Et puis finalement, au bout d'1 an, je reçois sorti de nulle part un virement de 6000 balles qui venait de là. Et je dis quoi, qu'est-ce que c'est que ça, comment c'est possible, d'où ça vient et tout. Donc je les contacte, je dis j'ai reçu un virement de votre part de 6000 balles. Est-ce que vous pourriez au moins me dire de quoi il s'agit, combien de photos vous avez vendues, à combien de clients, enfin m'en dire plus, que je sache un peu ce que je dois faire pour pouvoir refaire ça. Et en gros, il m'envoie cette photo, il me dit non, on a simplement vendu une de vos photos à un seul client aux États-Unis pour une licence d'un an. Mais en, et là, licence, bah, moi, en exclusivité, quoi, du coup. Mais là, je suis un peu, je m'y connais pas, moi, à ce moment-là, donc je découvre un peu le secteur, et je dis au gars, quoi, il y a quelqu'un qui a payé 6000 balles pour une photo pendant 1 an C'est incroyable. Et le type me répond, non, les 6000 balles, ça, c'est votre commission de 50%, ils l'ont acheté 12 000. Mais là, moi, je tombe un peu des nues et je me dis, donc, il y a vraiment un business, un secteur, il y a un marché dans la photo de stock. Et du coup, je prends l'argent de cette photo, parce que ce qui se passe, c'est que cette photo, c'est une photo que j'ai fait en vacances avec ma compagne à New York. Et je me dis, c'est un truc, c'est un projet personnel que j'ai fait. J'ai envie de développer plus de projets personnels, en fait. Et du coup, je prends donc l'argent que j'ai gagné de cette photo et je décide de me lancer dans un projet personnel en Islande, parce que j'avais vu sur YouTube des gars qui faisaient des trucs en drone en Islande et que c'était incroyable. Des trucs formidables. Et j'étais super inspiré, quoi. Et donc, je me suis dit, moi, je veux aller en Islande et tout. Donc, hop, j'achète le drone, j'achète tout le matériel, je prends mon appareil photo, la GoPro, la Total. Et je décide que on part en Islande avec ma compagne en hiver, parce que j'ai pas envie des photos que souvent on a de l'été, de l'Islande colorée. Je veux un truc plutôt froid, à la Game of Thrones. Et donc j'arrive en Islande et je peux vous dire que c'était froid. Et c'était très Game of Thrones. Donc je commence à faire des visuels comme ça, des photos très dark, plutôt noires. Pour info, c'est pas une photo noir et blanc, c'est une photo en couleur, mais c'est juste que l'ambiance sur place est complètement monochromatique. Et donc, là, je me suis assez bien amusé et j'ai pas mal appris photos de paysage qui n'étaient pas à la base mon style, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir lors de ce voyage et j'ai appris aussi bien à manipuler les couleurs sur ce genre de photos, parce que pour moi, finalement, l'objectif de tous ces projets personnels, c'est d'abord de m'amuser, mais aussi simplement d'apprendre quelque chose. Donc, dans le cas de l'Islande, c'était un peu photo de paysage, mais c'était aussi surtout le drone, c'était jouer avec les lumières naturelles, c'est aussi travailler dans des conditions qui sont pas forcément faciles par rapport à la température, etc. Et aussi, des photos un peu plus abstraites. Donc ça, c'est une cascade d'eau vue à 90 degrés au-dessus. Donc en drone. Et donc, 90 pour les francophones de frontières. 90. C'est 90. oui, parce qu'on en a pas parlé. Désolé. Mais tu viens d'Outre-Quiévrin. Oui, je suis de Bruxelles. Donc oui, 90 degrés. Et donc voilà, quelques photos en drone. Et quand je suis revenu de là, je me suis dit tiens, je vais prendre toutes les vidéos que j'ai fait avec mon drone et je vais faire une vidéo que j'ai appelé 13 jours en Islande. Et je ne vais pas vous la montrer complètement ici parce qu'elle est un peu longue, mais l'idée, c'était une vidéo que j'avais faite qu'avec une petite GoPro qui était attachée au drone et à la voiture. Donc, j'avais 2 GoPro, une sur le drone, une sur la voiture, et tous les plans qui sont là-dedans sont faits avec la GoPro. Et du coup, à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais envoyer cette vidéo à GoPro. Et
quelques jours plus tard, ils m'ont répondu, ah bah vous avez gagné le prix de vidéo du jour parce que vous avez fait une super vidéo avec la GoPro. Et du coup, de nouveau, bah, les projets personnels m'ont permis de gagner quelque chose, on va dire, une certaine visibilité grâce à quelque chose que j'ai fait pour le plaisir, un peu comme la photo de New York avec avec la vente, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais continuer à faire des projets perso. Le problème, c'est que je peux pas aller en Islande tous les jours, ça coûte un peu cher. Donc, je vais chercher un peu plus près de chez moi s'il n'y a pas des choses que je peux photographier. Et bah, j'allais dans une salle de sport avant le Covid et il y avait donc dans cette salle de sport, tu avais des athlètes qui avaient quand même des visages bien forts, qui étaient bien musclés, etc. Et je me disais, tiens, je pourrais peut-être leur demander pour faire des portraits, pour m'entraîner à la photo portrait de sport en fait. Et donc voilà, je leur ai parlé. Bon, j'étais là, je suis pas très grand en taille, ça se voit pas comme ça, mais donc quand j'arrivais au fond de la salle et que tu avais tous les gros basses comme ça occupés à faire le muscle, je suis là, je dis, ah, les gars, salut, je suis photographe. Je vous regardais de là-bas et je me disais qu'on pourrait faire des chouettes portraits photos et tout. Et puis le gars, il me regarde de la tête aux pieds et tout, super sympa. Il me dit ouais, pourquoi pas, on peut en faire et tout. Et donc ben, il m'a accordé une heure de son temps. Et pendant une heure, on a utilisé une des salles privées dans la salle de sport là où il donne les cours de yoga, etc. pour faire un shooting photo. Mais on a fait ça sans rien dire à un moment où la salle n'était pas utilisée. Et comme j'avais envie d'apprendre quelque chose de nouveau et que j'allais pas faire du drone dans ce cas-ci, bah je suis venu avec des lumières, des flashs, etc. de studio photo et j'ai commencé à m'entraîner à manipuler les flashs de studio. Et donc comme ça, je pouvais lors de ce projet apprendre à gérer la lumière. Le truc, c'est que ce gars-là, il a montré les photos, il a posté les photos sur Facebook, il les a montrées à ses potes, etc. Et le lendemain, ben tous les gars de la salle de sport m'ont dit, ah tiens. Ce serait sympa que tu fasses des photos de moi aussi. Donc je me suis retrouvé avec une tonne de modèles gratuits pour qui je pouvais faire juste des photos comme ça dans la salle de sport, quoi. Seulement après un certain moment, la propriétaire de la salle de sport l'a appris. Elle s'est rendue compte que sa salle était utilisée pour des shootings photos et donc elle m'a appelé. Elle m'a dit je voudrais te voir et tout. Je me suis dit, tu vas te faire taper sur les doigts. Là, tu c'est fini. Elle va me dire tu n'utilises pas ma salle de sport comme ça. Et en fait, rien à voir. Elle m'a contacté. Elle m'a dit écoute, quand j'ai vu tes photos, j'ai pas reconnu ma salle de sport. J'ai adoré. Est-ce que tu veux pas bosser pour moi et me faire une série de photos pour promouvoir ma salle? Ah, cool. Et donc, de nouveau, d'un projet personnel, j'avais atterri sur quelque chose de commercial, d'intéressant. Et du coup, j'ai continué comme ça. Ici, je vais plus rapidement, mais c'est un modèle à New York. Elle n'était pas encore modèle à l'époque. Elle voulait devenir modèle sport. Et je lui dis, bah, écoute, je suis à New York. J'ai envie de faire des photos de gens ici, en milieu urbain et tout. Toi, tu as envie de faire des photos de sport? Bah, faisons un petit shooting. On a pris une heure ensemble. On a fait un shooting photo comme ça au coucher de soleil à New York. Et en fait, 2 ans plus tard, j'ai revu cette fille et elle me dit, ah tiens, j'ai un truc à te raconter. Et puis, elle me montre ça. Et en gros, elle était devenue modèle photo pour Nike. Elle était dans tous les stores à New York. Et c'était pas à cause de mes photos, grâce à mes photos, mais si tu veux, elle avait construit un portfolio auquel j'avais contribué. Ouais. Et c'était pas forcément un apport commercial pour moi, mais c'était un apport motivant de savoir que d'un job que j'avais fait, quelqu'un avait pu jumper là-dessus et passer à la vitesse supérieure et devenir réaliser son rêve de devenir modèle sportif pour Nike, quoi. Parce que du coup, c'est à la fois ton projet perso, le sien, la rencontre. Et ce côté synergie, tu vois, elle m'a permis d'agrémenter mon portfolio avec des nouvelles photos de sport et elle, ça lui a permis d'agrémenter son portfolio à elle et d'évoluer aussi. Et donc, c'est une synergie que j'adore. Et du coup, tout ça m'amène à Glow. Donc, voilà, j'aime bien te parler des projets que j'ai fait avant Glow parce qu'en général, j'ai déjà remarqué que si les gens tapent mon nom dans Google, on a l'impression que j'ai fait des photos de ville rose toute ma vie, en fait, et que j'ai jamais rien fait d'autre. Mais il y a quand même un background derrière. Et donc, Glow, en fait, c'est parti d'un projet personnel que j'ai envie de parler un peu plus aujourd'hui. Et le truc, c'est que je me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais photographier des villes en rose et que ça allait avoir un succès incroyable.
Du coup, pour vous raconter un peu l'histoire là, donc en fait, j'ai visité le Japon pour la première fois en été de 2014, et c'était de nouveau des vacances avec ma compagne. Et donc, premier voyage aussi long de ma vie, 11 heures d'avion, on arrive là-bas, c'est un autre monde. C'est tout est structuré, c'est à la fois chaotique mais organisé, c'est super inspirant. Si vous êtes fan de manga comme moi, c'est aussi c'est le paradis. Les C'est le Russes. paradis, sauf que tu peux pas les lire. Ouais. Enfin, Très difficilement. Tu peux regarder les images comme quand tu étais petit. c'est ça. Mais donc, du coup, je me balade et je découvre vraiment ouais, un endroit assez incroyable. C'est vraiment ce que tu vois dans les films. C'est un point incroyable, quoi. J'adore cette photo ici qui est une compo du marché aux poissons à l'époque où en fait tu as ces deux policiers qui essayent d'organiser un peu le bazar et puis finalement il y a un chaos complet. Et donc je fais des photos comme j'en ai l'habitude pour l'époque, c'est-à-dire des photos un peu street photographie où je fais des portraits volés, où je capture un peu tout ce que je vois. Et là-bas, comme il y avait j'étais assez bien jetlagué, quoi. La différence horaire était assez forte. J'étais réveillé la nuit, et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais sortir faire des photos un peu de l'ambiance nocturne et tout. Et donc, j'aimais bien les ambiances électriques. C'est-à-dire, c'est une ville assez incroyable avec des structures un peu dans tous les sens. Et donc, je commence à faire des photos de Tokyo la nuit. Ça, pour info, c'est Akihabara. Donc, pour ceux connaissent un peu, c'est le quartier jeux vidéo, Électronique, manga. électricité, c'est Electric City en fait là-bas. Ouais, c'est vraiment la meilleure définition, c'est ça en fait, ouais, Electric City. Et tu as une ambiance incroyable, surtout en été, il faut imaginer qu'il fait chaud, etc. Il y a une ambiance incroyable, tout le monde est dehors, tout le monde s'amuse, etc. Et ça, donc, pour être complètement transparent avec vous, c'est une photo retouchée et l'original, elle est comme ça. Donc ça, c'est la Ah photo que ouais, j'ai prise à la vraiment plus base. rien à voir quoi. Donc beaucoup plus fade, beaucoup plus doux. Et donc je l'avais retouchée comme ça. Et je retouche une série de photos comme ça et je me dis, ouais, en fait, ça ne me plaît pas parce que cette photo ne me montre pas ce que j'ai vécu sur place, en fait. Je me dis, si je montre ça à des amis et je leur dis, oh, Akihabara, c'est incroyable, c'est une ville électrique et tout, ils vont regarder ma photo et ils vont faire, ouais, c'est pas mal, mais sans plus. Et donc, je me disais, ouais, non, en fait, j'étais pas convaincu par mon propre travail. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ça va pas aller. Je vais archiver tout ça et je vais pas les sortir. D'accord. Et du coup, je back up mon projet. J'en fais rien du tout, en tout cas pas des photos de nuit. Et il y a 2 ans qui s'écoulent, en fait. Et pendant ces 2 ans, je fais rien du tout avec ces photos. Je fais ma petite vie de photographe qui essaye de gagner sa vie. Et je découvre en fait le travail de Benjamin Zhangbin, qui est un artiste illustrateur. Et en fait, quand je découvre son boulot, je suis assez impressionné par la manière dont il gère les couleurs. Donc en fait, pour info, tout ça, il le fait à l'ordinateur, quoi. Il travaille, c'est un digital artiste et il travaille vraiment à la tablette, quoi, à la tablette Wacom, clac-clac, et il crée tous ces univers comme ça, quoi. C'est assez impressionnant. Et moi, ça m'a fort, fort inspiré parce que, si tu veux, par exemple, ici, les couleurs sont complètement surréalistes. Et pourtant, quand je regarde l'image, ça ne me choque pas. Je trouve ça assez réaliste, en fait, bizarrement. Mais on sait très bien qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Mais bizarrement, c'est ma perception de la nuit avec les phares des voitures qui créent des lignes derrière, etc. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, les photos que j'ai faites du Japon il y a 2 ans, la nuit, je vais aller les rechercher parce que je crois que si je retouche la couleur, je pourrais peut-être retrouver l'ambiance que j'avais, l'atmosphère que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières photos de cette série que j'ai appelée Glow, qui sont en fait ces ambiances de nuit complètement recolorisées, mais dans un mood, dans une ambiance, dans une atmosphère qui correspond plus à ce que j'ai comme souvenir. Et quand je les ai publiées, en fait, j'ai reçu un mail tout au début, donc il y a 4-5 ans, la première fois que j'ai publié la série. J'ai reçu un mail d'un gars qui m'a dit Ah, c'est marrant, j'ai vécu pendant 6 ans au Japon et tes photos correspondent exactement aux souvenirs que j'en ai. Ah, c'est marrant, ça, ouais. Et
Et le truc, c'est que bah, lui et moi, on sait très bien que le Japon est pas rose comme ça en vrai. Mais c'est comme ça qu'on s'en souvient, quoi. Et donc celle-ci, en fait, donc, pour info, bah, vous l'avez vue 3 fois maintenant, cette photo. Vous avez vu l'original, vous avez vu celle que j'avais ratée. Mm-hmm. Et maintenant, vous voyez celle retouchée plus par rapport à la perception que j'avais de l'endroit, quoi. D'accord. Donc c'est un peu vraiment le processus créatif derrière Glow, quoi. C'est vraiment parti de l'ambition de vouloir reproduire ce dont je me souvenais du lieu plus que ce que le lieu montre en réalité, quoi. Ouais, c'est vraiment un boulot, c'est le boulot des peintres impressionnistes de traduire du ressenti et pas d'être sur du réalisme sur l'image et d'un... C'était vraiment mon objectif, quoi. Et donc j'en ai fait une petite série. Et à l'époque, mon moyen de communication, c'était de mettre mes photos sur Facebook, sur mon site, sur mon Instagram. Et coup de chance, franchement, parce que je ne sais pas pourquoi celle-là et pas des autres, mais coup de chance, j'ai tout de suite eu des magazines qui m'ont contacté, des assez gros magazines, donc Design Boom, qui ont quand même, c'est des magazines qui ont plus d'un million de followers et qui ont dit, ah, on voudrait écrire un article sur cette série. Et donc, j'ai dit, bah, ok, pas de problème. Donc, j'ai envoyé toutes les infos. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de médias, de visibilité autour de ça, avec des articles que je savais pas les lire, mais je suis sûr qu'ils disent que du bien. Et donc du coup, je me suis dit je vais surfer cette vague et je vais regarder, parce que j'avais fait un voyage à Hong Kong, et à Hong Kong j'avais eu le même problème, que je savais pas, il y avait plein de photos que j'avais archivées parce que j'étais pas content. D'accord. Et j'ai commencé à aller rechercher ces photos et à retoucher ces photos d'Hong Kong, du coup. Et c'est vraiment du coup un truc au long cours, parce que ça te prend deux ans de maturation des photos, du regard, ouais, avant de sortir les images. Est-ce que à ce moment-là, du coup, donc en 2016, si je comprends bien, tu te dis que peut-être il y a un peu plus que ça, et tu retrouves, du coup, tu vas rechercher au fur et à mesure tous tes dossiers précédents? Ouais, alors j'ai pas, en fait j'ai commencé à aller rechercher vraiment ceux où je savais qu'il y avait des photos nocturnes où j'avais bloqué, et je dois dire que j'étais principalement Asie. Ouais. Donc dans ce cas-ci, pas tellement, en fait. J'avais été chercher les photos de Tokyo et j'avais été chercher les photos d'Hong Kong, parce qu'Hong Kong en fait avait eu lieu un an après Tokyo, et de même j'avais tout rangé, quoi, j'avais pas sorti les photos. Donc du coup, toutes ces photos-là d'Hong Kong, je me disais, ouais, mais en fait, j'ai eu le même développement, quoi. J'ai été shooté Hong Kong, mais j'ai pas sorti beaucoup d'images de nuit parce que j'aimais pas l'ambiance, et peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Et en surfant là-dessus, ça a continué donc à avoir une visibilité de dingue, et j'étais assez fier de mon truc, donc je me suis dit, tiens, je vais en imprimer une pour en avoir une chez moi. Et quand j'ai été dans un labo, des potes à moi qui avaient un labo pour en imprimer une, ils m'ont dit, mais écoute, on aime vraiment bien le rendu que ça a, est-ce que ça te dirait de faire une exposition avec nous? Ah, cool. Toi, t'exposes tes photos et nous, ça montre le rendu de tes photos sur nos supports. J'ai dit, ça c'est un chouette, c'est une chouette synergie de nouveau, c'est de nouveau une chouette synergie, quoi. C'est on s'entraide, moi je fais ma première exposition, j'avais jamais fait d'expo photo, je fais ma première expo et vous, ça montre votre labo, etc. Donc pourquoi pas. Et donc je me suis retrouvé à faire une expo chez eux, qui m'a de nouveau permis de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir de la visibilité. Magazine français Fubiz à ce moment-là avait repris mes photos dans les photos de l'année. Et du coup, à ce moment-là, j'ai sauté sur une autre opportunité, c'est que j'avais d'autres voyages de prévu. Et je me suis dit, maintenant que j'ai des voyages de prévu et que je sais en fait comment j'ai envie de photographier les villes, peut-être que je pourrais tout simplement aller dans les villes. Donc là, mes voyages prévus, c'était Bangkok. Je pourrais simplement faire mes repérages la journée. Donc par exemple, la journée, je me baladais à Bangkok. Clairement, c'est des photos toutes grises, il n'y a pas vraiment d'ambiance, mais je voyais cette structure de jour, etc. Je voyais toutes ces autos, toutes ces voitures, toutes ces motos et tout, et je me disais, tiens, je vais revenir la nuit et je vais shooter ça la nuit. Il y aura un truc à faire à partir de ça. Voilà, exactement. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là à travailler à l'inverse et à créer à ce moment-là mes photos basées sur comment j'allais les retoucher, comment j'allais faire ressortir l'ambiance, quoi. Et donc là, ça a été Bangkok.
qui aussi c'est toutes des ambiances. Mais à ce moment-là, donc j'étais encore en mode street photographie, donc j'étais pas forcément avec un pied avec moi, je faisais des photos main levée. D'ailleurs, même ça en longue exposition, bah, je crois que j'ai fait une photo avec pied et puis il y a la police qui est venue me trouver pour me dire que j'avais pas le droit de mettre deux pieds sur les plateformes de train. Et Ah. donc du coup, mais j'étais tout à fait sur le côté, mais ils voulaient pas de pieds sur les Non, je plateformes pense où le train il voulait passe. éviter que tu restes là et que tu te fasses surprendre par le train aussi ou que tu tombes sur la voie. Peut-être, peut-être. Et donc, du coup, beaucoup de ces photos sont à main levée, en fait. Enfin, avec quelques temps d'exposition très faibles. Et quand je suis revenu de Bangkok, ben, de nouveau, beaucoup de visibilité, autour de ces images. Et là où je veux en arriver, c'est que, en vous expliquant mon parcours, ben, je vous ai dit qu'à chaque projet personnel, était arrivé, ben, une débouchée commerciale intéressante qui m'avait permis d'en vivre. Eh ben, en 2017, un an plus tard après la sortie, j'ai reçu un email du Japon. Et en gros, l'email disait, ah, on adore votre photo de Tokyo, vos photos de Tokyo Glow, on adore. Est-ce qu'on peut vous les acheter? Alors moi, j'étais en mode super, achetez tout ce que vous voulez, avec plaisir, ça me fait super plaisir. Et puis je renvoie les photos et ils me disent, ah ouais, en fait, ça n'ira pas parce qu'elles sont pas récentes. Et je dis, ah ben oui, je Effectivement, à les ai faites Bangkok. en 2014, j'ai mis 2 ans à les faire et tout, vous me contactez en 2017, elles sont pas du tout récentes, quoi. Ah non, non, mais ça va pas aller. Donc là, j'étais complètement déçu. Et puis après, ils me renvoient un mail et ils disent, mais est-ce que c'est possible de vous demander de revenir à Tokyo pour reshooter ces photos pour ce projet? Ah, excellent. Là, j'étais en mode vraiment genre ben, super calme, je sais pas, je vais Ne pas réfléchir et répondre tout, tout de suite. ne pas répondre tout de Ne pas suite et répondre. tout. Et puis finalement, ben, en hiver, donc de cette année-là, l'hiver 2017, je suis retourné au Japon je me suis retrouvé face à un client donc japonais qui c'était incroyable parce que j'étais dans une salle de réunion, c'était très protocolaire, il y avait l'agence, 4 Japonais devant moi, il y avait l'autre agence qui était avec moi qui me faisait la traduction, mais pendant les 15 premières minutes, ils ont parlé que en japonais et j'ai rien compris. Je me suis dit, ça va pas aller. Et C'est pas finalement, ils pratique. m'ont dit quelques mots en anglais. Et les quelques mots en anglais, c'était, en gros, ça disait, ah oui, alors, donc on aime bien ce que vous faites, donc faites ce que vous voulez. Et là, j'étais quand même un peu stressé. J'ai quand même dit, Mais de j'ai quoi vous avez demandé à besoin, l'agence, j'ai quoi? dit, ouais, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, on aimerait que tu fasses des photos de tel quartier, parce que c'est ce quartier-là qu'on veut promouvoir, mais c'est tout. On n'a pas d'autres infos. Et puis je dis, ah ok, mais c'est pas grave, vous voulez venir avec moi, on se donne rendez-vous le soir et on fait les photos ensemble et je vous montre sur mon appareil et tout. Non, 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 tu tu te fais les débrouilles, photos tu tout. nous ramènes les photos dans moins de 3 ans. Exactement. Dans 2 semaines. Tu nous montres ce que tu as fait dans 2 semaines. Et là, j'étais quand même un peu. Je dis, mais genre, vraiment, vous voulez aucune validation? Il a dit, on aime ce que tu fais, donc fais ce que tu aimes. J'ai dit, ok, je suis le meilleur client de toute ma vie. Et donc je me suis retrouvé tout frais payé au Japon, à me balader dans la rue le jour pour faire des repérages, et puis la nuit à recréer une nouvelle série. Sauf que là, ben, je savais ce que je voulais faire, évidemment. Donc j'étais dans le quartier de Shibuya, qui est quand même un quartier assez animé, et j'ai créé cette série-là, propre pour ce client-là, qui au final n'en a acheté que... Donc, moi, j'ai fait toute une série, et lui n'en a acheté que deux, qui étaient vraiment propres à une campagne publicitaire qu'il voulait faire. Et donc du coup en fait le truc assez sympa avec ce client parce que comme je dis on apprend dans chaque projet c'est qu'à un moment il me téléphone et il me dit on aimerait bien que tu fasses des plans plus haut et je dis ok pas de problème je peux monter sur les toits hein, faire faire des terrasses en hauteur et faire des photos et il me dit non 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 on t'a réservé une chambre d'hôtel Oh, c'est dans un régulier. hôtel super haut. Et tu vas voir, tu auras une belle vue, tu nous diras ce que tu en penses. Donc j'arrive dans la chambre d'hôtel, j'installe mon trépied et tout ça, et puis j'ai le client qui me dit, est-ce que tu penses que tu pourras faire quelque chose d'intéressant de là? Et je dis, oui, vous inquiétez pas, ok, on t'a booké 2 nuits, donc tu as 2 nuits là, essaye de voir si tu sais faire quelque chose. Non, il n'y a pas de problème, c'était le job le plus facile de ma vie. J'étais à l'hôtel, devant ma fenêtre, à photographier le croisement super connu de Shibuya, où tout le monde se croise dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Et donc là, bah, j'ai fait des photos toute la nuit, quoi. C'est magique,
Je sais plus si on avait eu l'occasion de s'en parler. Au mois de mars, on a fait 3 jours Photoshop et il y avait une journée illustration, une journée design et une journée photo. Et on avait reçu Aichi, qui est lui à la fois graphiste et photographe, et il a passé énormément de temps au Japon. Et pareil, il y avait toute une recherche des ambiances colorées et tout. Et c'est superbe. Enfin, j'ai vu cette vidéo et j'ai vu ce live. J'ai vraiment, vraiment bien aimé son travail et le rendu très cinématique, en fait. Ouais, c'était super beau. Et donc ici, en fait, tant qu'à faire, vu que j'étais là toute la nuit, ben, je me suis dit, bah, faisons des time-lapse, amusons-nous un peu à donner un peu de mouvement, quoi. Et puis, le client m'a appelé de nouveau pour me demander si tout se passait bien, si ça allait comme je voulais. Donc, j'ai dit oui, tout allait bien. Et puis, il m'a dit oui, juste pour être sûr qu'on a tout, on voudrait quand même que tu shootes d'encore plus haut. Et donc là, je me suis dit encore plus haut, là, je comprends pas trop. Et puis, il m'a dit oui, on t'a booké un hélicoptère. On va venir te chercher cet après-midi et comme ça, tu pourras faire des photos d'hélicoptères de Tokyo. Comme ça, on est sûr qu'on a tout, qu'il nous manquera rien. Et donc, voilà. Et donc, de nouveau, apprendre sur le tas. Mmh. J'avais jamais fait de reportage photo en hélicoptère. T'es devenu Yann Arthus Bertrand, mais sans les animaux en tout. Sauf que j'étais un peu nerveux. Donc, histoire d'avoir l'air assez professionnel, j'ai quand même dit, écoutez, ça va être difficile parce que vous savez, dans l'hélicoptère, il y a des fenêtres, ça va faire des reflets, tout ça, je sais pas si ça ira et tout. Puis lui, très, très relax, il m'a répondu, non, non, vous inquiétez pas, on a enlevé les fenêtres. Je dis, ok. Et donc, je me suis retrouvé, je sais pas si on voit bien, mais c'est une caméra 3D que j'ai pris avec pour pouvoir me permettre d'avoir un souvenir. Donc, en fait, en effet, j'avais pas de fenêtre. J'étais dans une toute petite boîte. Et t'avais une ceinture de sécurité quand même. Ouais, au moins. Armée, histoire de pas être tenté par le vide. Exactement. Mais c'était quand même un peu, pour une première fois, c'était un peu flippant. Mais après, le résultat en valait le coup. Hein. Donc, on est repassé au-dessus de Shibuya. Et donc, on a re-shooté tout Shibuya d'un peu plus haut que l'hôtel. Hein. Pour tout dire, l'hôtel, il est là. Ouais. Ça, c'était la chambre d'où je faisais mes photos, donc juste à côté du terrain de foot. Donc, c'était quand même un petit peu plus haut. Et du coup, ben, ils en ont fait un billboard. Ils en ont fait une maquette pour un billboard. Et un an plus tard, je suis retourné à Tokyo en mode voyage, etc. Et j'ai eu la chance de voir en vrai le billboard. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu, sorry pour la longueur, mais c'est un peu l'intro de mon parcours, de vraiment, que c'est pas venu comme ça et que c'est vraiment à force de projets personnels et à force de projets passion, comme on dit, et d'apprendre sur le tas. Ben, aujourd'hui, ben, je continue, en fait. J'ai photographié Osaka, j'ai photographié Nagasaki, j'ai photographié Las Vegas. Ce sont toutes des séries qui sont pas encore publiées, que je dois publier. Mais donc, je continue, en fait, à. D'ici 2-3 ans, tu les auras sorties. Ouais, quelque chose comme ça. Ah oui, non, mais c'est complètement magique. Delphine nous dit, ouais, carrément, j'avais pensé à Aichi aussi. Virginie nous dit, c'était vraiment un projet de rêve. Franck nous dit qu'il a pensé à ça aussi. Arnaud nous dit, on voit bien sur la caméra 360 dans l'hélico que la Terre est bien ronde. Merci Arnaud pour débunker tous les platistes. Coquelin nous dit, je suis bouche bée et mon Sony A6 prend la poussière. Après le live, je sors prendre des photos. Et Coquely me dit qu'il n'arrive pas à trouver le lien, il est juste au-dessus, Coquely, juste 3 liens plus haut. Le lien pour la session avec Aichi, vous pourrez la retrouver. Et je vous ai mis un tout petit peu plus haut aussi une session avec Vivien Bertin, qui pour le coup, lui, n'avait pas shooté la ville, mais je l'ai mis au moment où tu étais en train de nous parler d'Islande, parce qu'il y avait encore plein de trucs à voir. Et vous savez qu'on a eu la chance d'avoir pas mal d'invités sur plein de sujets différents, et je trouve ça super rigolo de voir comment vous avez tous un regard différent sur le monde, sur l'environnement qui vous entoure, sur les traitements couleurs, les traitements de la nature et tout. C'est assez chouette, quoi. En effet, quand tu parlais d'Aichi, tout de suite ça m'est revenu. C'est très cinématique, et puis en plus j'aimais bien les cadres parce qu'il recadre ses photos justement avec ce format cinématique un peu 16-9e, là maintenant un peu plus 2.35. Et c'est moi ça me parle d'office, quoi. Je veux dire, et il y a des, enfin, ce projet vraiment c'est quelque chose que et au-delà de ça, c'est ce que je dis toujours quand je fais cette présentation, je dis souvent aux gens, alors ouais, il y a du travail, mais il y a beaucoup de chance. Vraiment, et j'y crois dur comme fer, parce que quand ce client m'a contacté du Japon, la première chose que j'ai pensé, c'est
Attends, moi je suis sur Instagram plein de photographes japonais qui sont, mais qui font des trucs incroyables, des trucs comme ça. Et tu vois, je me dis, ça lui coûterait sans doute bien moins cher de contacter quelqu'un sur place, un local, etc., que d'aller chercher quelqu'un de l'autre côté du monde et de faire venir et de le loger. Enfin, et donc, par rapport à ça, tu vois, je me dis, il y a toujours une partie, il y a un facteur chance qu'il faut pas négliger non plus. Et c'est aussi ce facteur chance, je pense que ça tourne. Et il faut savoir rebondir dessus quand on sent qu'on est dedans. Mais il faut aussi savoir ne pas se démotiver quand on se dit, ah tiens, là, je suis pas dans cette phase de chance. Mais ça veut pas dire qu'elle va pas arriver. Mais je crois Non, que c'est important. tu continues de jouer, tu continues de profiter de tes images, tu profiter des lieux, des liens. J'ai une question de Rémi qui me dit, tu travailles sur un temps long, tes séries, ça se compte en années pour publier une série chez toi, mais du coup, est-ce que c'est une traversée du désert au milieu? C'est pas une. Ouais, en fait, comment dire? Ce qu'il y a, c'est que comme c'est des projets personnels, des projets passion, je pense que l'erreur que je fais encore aujourd'hui, c'est de les faire passer au second plan. Donc, je vais d'abord travailler pour mes clients, faire passer quand j'ai un client qui m'appelle, qui dit bah voilà, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça ou j'ai un job, je vais avoir tendance à d'abord faire passer ces clients-là avant mon travail. De nouveau, bah, très chanceux, j'ai un planning bien serré et donc du coup, je fais ça quand j'ai du temps libre. Et c'est vrai que j'aimerais avoir une meilleure balance où genre, je sais pas, 2 jours par semaine, je consacre au projet personnel ou 2, 3 jours par semaine, je consacre vraiment à ça pour avancer plus vite. Parce que clairement, ce que je fais aussi, c'est que bah, sur une année complète, comme je suis indépendant, sur une année complète, je n'ai jamais la garantie de savoir si l'année va bien se passer, si je vais avoir assez de clients pour pouvoir être ben, confortable financièrement, etc. Donc, ce que je fais à ce niveau-là, c'est que au début de l'année, je me concentre vraiment sur assurer l'année. Par contre, je me fixe un objectif. Et quand j'atteins cet objectif, je suis pas gourmand. Donc, par exemple, si je me fixe un chiffre d'affaires à faire pendant l'année, quand j'atteins ce chiffre d'affaires, je cherche pas de clients supplémentaires. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce que si j'atteins ce chiffre d'affaires en septembre, ben ça veut dire que j'ai octobre, novembre, décembre de libre. Et beaucoup des projets que vous voyez là, c'est des voyages de quasi 6 à 8 semaines où je suis parti et j'ai fait genre 10 à 12 villes sur 2 mois d'un seul coup. Et puis après, ouais, clairement, j'ai mis 2 ans à sortir les 10, 12 villes au fur et à mesure. Mais donc, j'ai été chercher la matière en un coup et puis je la sors au fur et à mesure. Donc, ouais, c'est des séries qui sont sur des années. Et clairement, j'assume complètement pour tout dire, je pense que les dernières que j'ai sorties en ce moment, qui est Chicago, Chicago, je dois dater de 2019 et encore, je suis pas sûr. Donc, elle a clairement 2 ans au niveau de la prise de vue par rapport à la retouche. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer. J'aimerais avoir une meilleure balance à ce niveau-là. Bah vas-y, montre-nous Chicago dans ce cas-là. Tu sais, c'est un peu du teasing que tu nous fais là. Et là, tu vas nous dire non, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, je l'ai. En fait, j'ai commencé. Donc, je commence toujours par publier mes séries sur Instagram d'abord. C'est un réflexe, en fait. C'est de la fainéantise, je pense. C'est plus rapide. Je me dis, une fois que ma photo est prête, entre mettre à jour mon site internet, créer un projet sur Behance, c'est tout. Je poste d'abord sur Insta. Ici, donc ça c'est vraiment Chicago, donc vraiment en mode différent de Glow. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours dit ah pour moi Glow c'était photo rose, mais moi quand j'ai créé Glow je l'ai pas créé sous forme de en me disant il y a une couleur en particulier. Pour moi c'était plus une série dans laquelle je change les couleurs de manière à obtenir plus de l'émotion et plus de l'atmosphère que j'avais sur place. Donc du coup, bah, parfois il y a des villes que je trouve que le rose ça leur va pas, et donc je vais aller chercher la couleur qui va à cette ville. Dans ce cas-ci, par contre, ce qu'on peut retrouver souvent, c'est que je vais souvent jouer avec une couleur froide et une couleur plus chaude. Donc par exemple, si je descends ici, ça c'est Dubaï. Dubaï, on est clairement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il faisait 39 degrés et que j'avais chaud, j'en sais rien, mais d'office je l'ai vu en rose directement. Je me suis même pas posé la question. J'ai pas dû chercher longtemps. Par exemple, cette photo-là, mais Dubaï, par contre, Dubaï, je vais la prendre sur mon site, ce sera plus grand et ce sera plus agréable pour vous.
Ah, donc oui, là, je ne me suis pas posé de questions, ça me semblait évident. Et par contre, les photos de Dubaï, eh ben, ça, c'est une seule nuit. Donc, c'est une sortie nocturne, ça. Parce que j'étais pas longtemps sur place. Alors, une différence aussi, et je pense que ça, c'est dans l'évolution de la manière dont, à force de travailler, etc., sur les photos, il y a une évolution aussi, et pour ça, je vais reprendre Instagram, en fait. Donc, en fait, au tout début, la toute première série Glow, si je remonte vraiment dans mon feed, si je prends vraiment le jour où j'ai posté cette première photo de Tokyo avec cette dominance rose, vous voyez, c'est plus de la photo de rue, quoi. C'était vraiment, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, à part à quelques endroits, mais même quand on regarde la grille comme ça, c'est plus des captures d'instant, pas vraiment de mouvement. Voilà, c'était comme ça, je faisais des portraits volés, etc. J'ai pas vraiment ressenti le besoin d'aller chercher ça. Par contre, dans les villes que j'ai visitées dernièrement, j'ai commencé à trouver qu'il y avait une dynamique, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, etc. Et là, j'ai commencé à ressentir le besoin d'avoir ce mouvement. Et je pense que c'est venu à la fois parce que techniquement, j'ai dû changer de méthode, comme c'est devenu de plus en plus des photos que j'avais besoin d'imprimer en grand, etc. Je pouvais pas me permettre sur des longues expositions de les faire à main levée. Donc, du coup, j'avais besoin de faire toutes mes photos sur pied. Et du fait de faire toutes mes photos sur pied, ben, j'avais des belles expositions longues avec des beaux mouvements. Et d'ainsi de suite, j'ai commencé à observer le mouvement dans mes photos et à me dire, mais en fait, j'ai envie de faire plus que ça, quoi. J'ai envie de créer tout le temps du mouvement dans mes images, quoi. Et c'est comme ça que ça, c'est pour ça que Chicago et Dubaï sont, enfin, c'est pas les seules, mais elles sont très, très animées, quoi. Je regarde un peu dans mes projets. Alors je vais rebondir sur une question d'Arnaud qui nous dit c'est des séries principalement sur des villes, sur des milieux modernes. Est-ce que tu penses aussi te diriger vers la nature? Parce que comme il dit, je suis arrivé, j'ai pris en route, donc il a un peu raté le début où t'étais en Islande, où t'étais dans des zones vraiment très très nature. Est-ce que c'est un truc vers lequel tu penses revenir à un moment ou pas forcément, ou parce que t'es Ouais. bien? En fait, non, non, j'aime vraiment bien. C'est plus l'endroit. Donc, les villes me parlent, c'est clair. J'aime le côté urbain. Mais par exemple, oui, comme on parlait tout à l'heure, l'Islande, c'est quand même quelque chose qui me plaît énormément. C'est très particulier. Je crois que c'est pas les paysages en général, mais l'Islande, j'ai vraiment un coup de cœur. Je crois que c'est parce que il y a un côté dramatique. C'est pas pour moi quand je photographie l'Islande, c'est pas le paysage, c'est pas le beau paysage coucher de soleil quoi. C'est plus vraiment, c'est la nature déchaînée, j'adore quoi. C'est les textures aussi, j'aime vraiment beaucoup. C'est le temps que personne ne sortirait par ce temps parce qu'il fait trop nuageux et pourtant c'est le temps que j'adore quoi. C'est les échelles, donc je sais pas si ça se voit ici, mais il y a la voiture là. Et l'échelle est juste dingue en fait. C'est tout ce genre de petits détails qui fait que j'aime encore les paysages. J'ai re-shooté l'Islande un peu plus tard et pour rebondir en fait, parce que j'ai découvert Glow et la manipulation des couleurs pour récupérer mes atmosphères. Et du coup, je suis retourné en Islande et il y a une série de photos que j'ai faites qui s'appelle Lunar. Et en fait, là, j'ai vachement retouché les couleurs comparé à ce que je faisais normalement sur des paysages. Parce qu'en fait, c'est un endroit en Islande où il y a toute cette condensation qui sort, enfin toutes ces fumées qui sortent du sol et tout. C'est impressionnant, c'est beau à voir. C'est Enfin, rencontre du troisième type, la première. c'est littéralement, c'est surréaliste. Et pourtant, c'est devant toi, quoi. Mais c'est complètement surréaliste. Et donc, moi, j'étais sur place. Et quand, de nouveau, je suis revenu chez moi et que j'ai retouché mes photos, au début, quand c'est la nature, j'aime pas trop vraiment de toucher. Mais là, je me suis dit, mais en fait, non. J'ai vraiment envie d'un peu modifier quand même les couleurs parce que ça me fait. J'ai envie de faire un truc qui soit lunaire, quoi. Et donc, celles-là, je les ai retouchées de la même manière que je retouche mes photos urbaines. Donc, je sais que ça n'a rien à voir avec mes photos urbaines, mais le processus créatif derrière,
Elmam, en fait, c'est vraiment manipulation de couleurs de manière à obtenir un rendu qui va me projeter dans le souvenir que j'en ai, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, c'est vrai que c'est complètement flottant, c'est assez magique. Et Arnaud nous dit que ce sera de plus en plus dramatique. Donc go. Ouais, c'est ça, c'est triste par contre, mais ouais. C'est vrai que c'est un endroit. Enfin, je veux dire, par exemple, ça, j'adore de nouveau, c'est l'échelle, quoi, de l'humain par rapport à la nature. Il y a quelque chose qui me parle par rapport à ça. Et donc, je pense, je sais pas, je peux pas dire maintenant aujourd'hui, ah oui, je crois que je vais faire vraiment beaucoup de séries de nature. Mais j'ai envie de développer beaucoup plus le côté sauvage, en fait, de ce qu'on peut trouver dans des endroits comme l'Islande, mais pas que l'Islande. Si je pouvais aller un peu plus dans le nord, ça m'intéresserait aussi, je crois. De remonter toute la Scandinavie. Tout à fait. Pour peut-être jumper aussi sur un autre type de photos, c'est. C'est-à-dire que donc ici, ça c'est un projet commercial, mais c'est un projet commercial où je me suis bien amusé parce que de nouveau, au niveau des contraintes, il n'y en avait quasi pas, quoi. C'est quelqu'un qui demandait de photographier le lieu pour pouvoir le promouvoir. Et ce que j'ai adoré avec ça, c'est cet endroit est à Bruxelles, mais l'ambiance est complètement japonaise, quoi. Et donc du coup, je me suis amusé comme un fou. Et ce qui se passe, c'est que de nouveau, j'ai fait un peu la même technique que j'utilise avec les villes. Je voulais du mouvement. Donc, je voulais pas une photo de l'hôtesse qui s'occupe de l'endroit vraiment fixe, quoi. Et je voulais vraiment qu'elle soit constamment dans des mouvements, qu'on sente qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit, de quoi elle s'occupe, etc., tout en jouant sur les lumières. Donc, ça, c'est vraiment des séries que j'aime parce qu'en fait, ce sont des jobs où ton style personnel commence à avoir un impact sur ce que tu fais commercialement. Ce qui est, je pense parler pour tous les photographes, c'est super dur d'imposer son style personnel au niveau commercial, quoi. Ouais, d'avoir une vraie réponse, enfin d'avoir une vraie validation du client en fait sur ça. Exactement. Et puis surtout, comme tu le disais, toi, tu as eu la chance d'avoir des cartes blanches régulières, de pouvoir te faire plaisir sur tes images. Franchement, ouais, c'est C'est et cool. je aujourd'hui je suis à j'ai la... de nouveau j'ai la chance c'est que parfois je peux aussi me permettre de dire ah ouais non en fait ce projet-là m'intéresse pas ou je vois bien que ça va pas coller, on n'a pas du tout la même idée ou on a et donc c'est pas grave quoi. Sous-entendu, pour que tes clients puissent bosser avec toi et que tu qu'ils soient sûrs que tu valides le projet, faut qu'ils arrivent entre janvier et octobre, c'est ça? Ceux qui arrivent après, aucune chance. Ça dépend quel projet. Si c'est pour retourner au Japon, il n'y a pas de problème. Coqueline nous demande, tu utilises quel genre d'appareil et d'objectif pour tes photos? C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de matos jusqu'à présent. Je sais pas si c'est important pour toi, pour. Alors, c'est pas important, mais techniquement, ça a quand même un rôle, hein. Donc, ici, en gros, à quelques trucs près, à part dans les vidéos, c'est tout du Canon 5D. C'est quasi tout Canon 5D et j'ai vraiment un peu travaillé avec toute la série. Donc, quand j'ai commencé, j'étais au 5D Mark II. Je veux dire, je crois que ça, c'est des portraits que j'ai fait au 5D Mark II ou voire 5D Mark III. Maintenant, je travaille au 5D Mark IV. Mais de nouveau, et alors au niveau matériel, par exemple, pour ce genre de choses, j'utilise des flash Cobra de chez Canon. Parce que c'est juste par facilité et parce qu'ils sont bien pratiques. Mais par exemple, ici, pourquoi je dis ça? Parce que ici, clairement, sans le matériel, tu n'arriverais pas à ça. On pourrait croire que c'est Photoshop et que j'ai mis ensemble trois images. Mais par contre, en fait, ce sont des photos. Ça, par exemple, c'est une photo qui est prise quasiment dans le noir. Et en fait, le flash retentit trois fois et il capture le mouvement à trois endroits sur une seule photo. Donc, c'est une longue exposition, trois coups de flash et puis l'obturateur se referme. Et donc, du coup, on obtient. Donc, là, quand même, le matériel qu'on utilise a un rôle parce que techniquement, c'est nécessaire. Après, pour les photos urbaines, je crois qu'à partir du moment où tu as un bon appareil qui te permet de faire des longues expositions, c'est suffisant. Parce qu'on dit souvent, il faut un appareil qui puisse permettre de faire des bonnes photos en basse luminosité. Mais c'est pas tellement nécessaire si tu fais des longues expositions. Parce que si tu fais des longues expositions, Tu peux ben, c'est pas compenser, grave.
Et du coup, tu dois penser aussi au poids de ton trépied. Ouais. Parce Et que moi, je pense j'essaie de que c'est. voyager léger et c'est très dur. C'est super dur. Et alors, au niveau objectif, à part pour des photos aériennes, j'utilise parfois un télé d'après la hauteur où on est. Maintenant, depuis quelques années, je travaille au 14 ou au 17 mm. Donc ici, c'est clairement du 14 mm. C'est super large. Parce que comme on le voit, j'ai vraiment les deux côtés de la rue, en fait. Hein, Ouais, donc carrément. Mais on est alors, du coup, en. comment tu redresses les perspectives, les angles autour? Parce qu'il est. Alors ça, c'est. Alors, il est. Heureusement, le 14 mm de chez Canon est plutôt bon de ce côté-là. C'est une optique fixe qui justement déforme pas trop. Mais de toute façon, en fait, je la passe dans Lightroom et D'accord. je la redresse avec Lightroom. Hein. Je peux. Bah Donc en écoute, fait, si, pas. je sais pas si c'est ce que tu as chargé dans ton catalogue, mais je suis assez curieux. Mais attends, je peux prendre. Qu'est-ce que j'ai fait en 14 mm ici? Eh ben, en fait, elle est en 14 mm celle-là. Donc par exemple, si je vous montre l'avant et l'après de celle-ci. Vous allez voir, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Je vais la charger parce que on voit qu'elle pixelise un peu. Voilà, là elle est chargée. En fait, ici dans mes lens correction, il va automatiquement, Lightroom va automatiquement corriger tout. Il sait que j'utilise un 14 mm. Je sais pas si c'est lisible. En fait, il écrit ici que j'utilise un 14 mm et il a toutes les infos. En fait, il a le profil de cet objectif. Donc du coup, il me permet de gérer la distorsion. Et par exemple, ici, je peux même, si je suis pas content avec la manière dont il corrige la distorsion, je peux même carrément intensifier ou pas. Et je sais pas si on se rend bien compte, là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, si vous regardez sur les bords ici, eh ben, il va quand même légèrement changer la manière dont il élargit. Donc du coup, ça, c'est super pratique parce que même quand j'utilise des super grands angles, j'ai quand même des belles lignes droites, quoi. Ouais, Et il va compenser dessus, c'est assez bluffant là du coup. Du coup, t'es même pas sur les outils de correction de géométrie, alors même pas, mais par contre, d'appareil. je l'utilise. Hein. Donc là, donc si maintenant je coupe le transform, tu vois, je vais pas avoir. Voilà, il l'a juste redressé, tu vois, parce que j'étais pas droit. Hop, il me l'a simplement redressé. Ce qui est super pratique parce que avant, je redressais à la main. Maintenant, je dirais, allez, soyons honnêtes, 9 fois sur 10, il. C'est bon quoi. Donc une fois sur 10, je dois aller quand même un petit peu corriger les verticales ou les horizontales quand la photo est un peu chaotique. Mais sinon, bon, genre évidemment, si je lui donne une photo comme ça, il va pas trop savoir ce qu'il doit C'est redresser. ça. On est bien d'accord. Et je pense même qu'il n'y a pas forcément à le faire là-dessus, parce que tu peux pas t'en sortir, quoi. Exactement. Et là, tu te dis, tu sais quoi, je fais confiance à comment j'ai fait mon angle au moment de la prise de vue et on n'en parle plus. Mais sinon, clairement, hein, ici, tout ça, c'est mes lignes sont toujours bien droites. Et enfin, ouais, j'avoue que je suis un peu maniaque aussi sur les bords. Donc, j'adore que mes lignes soient vraiment, vraiment bien, bien droites. Donc, mais ici, attends, je vois, ça, c'est pas le bon exemple. Mais par exemple, voilà, ici, on a encore aussi un avant-après qui devrait charger, c'est celui-là. Ben voilà. Et alors, de nouveau, parce que par rapport à ce qu'on disait techniquement, donc ça ici, c'est le 5D Mark IV. Et alors, au niveau settings, au niveau de l'exif, donc, c'est, par exemple, là, je shoot en ISO 50. Alors, c'est quand même super important parce que qu'est-ce que je cherche? Je cherche à avoir le moins de bruit possible dans mes photos. Pourquoi? Parce que je sais, quand je prends une photo comme ça, comme tu vois, elle est quand même assez sombre, quoi. Mais pourtant, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que je veux pas que les lumières soient surex. Donc, je veux pas surexposer mes lumières parce que je veux pouvoir avoir de la substance, de la matière et de la texture dedans. Donc, je fais ma photo sombre, mais je sais que tout ce côté sombre, en post-prod, avec Lightroom ou Photoshop ou peu importe, je vais remonter tout ce côté sombre. Et je sais que si j'ai shooté ma photo genre à 1600 ou à 3200 ISO, quand je vais remonter tout ça, je vais avoir du bruit dedans. Donc, je travaille avec un pied et je travaille avec la sensibilité minimum qui, ici sur le 5D, me permet de descendre à 50 ISO, quoi. Du coup, j'ai zéro bruit, j'ai juste pas de bruit. Et comme on peut voir à côté, quand je remonte, quand je rééclaircis mon ciel qui était noir à la base, eh ben, ça va, quoi. Ma texture est plutôt propre. J'ai même pu, j'ai probablement, voilà, j'ai mis un sharpen quand même bien élevé. J'ai donné un filtre de netteté dessus pour finalement réobtenir une photo finale qui est une composition de plusieurs photos
et où j'ai quasi pas de bruit, quoi. Donc du coup, ça me permet, quand je vais faire des agrandissements, de garder une super bonne qualité, quoi. C'est méga fin quand j'imprime ça, quoi. Ouais, c'est cool. Alors du coup, alors ça, en termes de pixels, t'as quoi en dimension? J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il te dit dans les infos? Je suis en... Attends, hop. Je sais pas si mon raccourci clavier fonctionne. Là, je suis en 6500 sur 4003. D'accord, donc du 60 cm, 60-40, ouais. Quoi, c'est cool. Et ben, à titre d'information, si ça a un peu intéressé quelqu'un, le billboard à Tokyo, il a été shooté au 5D Mark III, donc c'est 21 millions de pixels. Et il faisait... Est-ce qu'il est... Ça faisait 10 mètres sur 10 mètres. Donc, c'est une belle diagonale, quoi. C'est sympa. De la bonne taille d'image, quoi. Après, t'as pas le bon l'image. Non, exactement. Parce qu'on m'avait demandé, on m'avait dit, ah, mais tiens, tu as dû utiliser un moyen format pour ça. Et je dis non, j'ai pas du tout utilisé un moyen format. C'est au 5D, mais ça a suffi, quoi. Donc voilà. C'est ouf. Alors, vas-y, tu m'avais dit que tu avais pas mal de photos un peu du avant-après sur certaines séries. Donc je peux en passer, on peut les faire une par une, donc on va regarder ce qu'on a ici. Et alors pour le coup d'ailleurs, on te voit dans Lightroom, mais toi tu m'as dit que tu alternais entre les deux, en fonction des besoins. Ouais, donc je peux faire un exemple en fait. Attends, on va en choisir une. D'abord je vais montrer quelques avant-après pour donner juste une idée des retouches. Donc, par exemple, ici, attends, je vais faire comme ça va être plus grand pour vous, je crois. Ouais, merci. Tiens, il y a Rémi qui nous dit tu pourrais même être intéressé par la fonction super zoom de Lightroom, mais je ne sais pas si c'est pertinent pour ton travail. Mais je sais pas, c'est dans la nouvelle. C'est dans les dernières versions de Lightroom ou de Photoshop. Parce que je l'ai upgradé. Ouais, j'ai upgradé ce matin. D'accord. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu que c'était dans le message quand j'ai démarré Lightroom, mais j'ai pas encore testé. Écoute, c'est comme tu... Donc, à tester. À tester, ouais, parce que c'est plutôt pas mal, en fait. Il te fait une AT, il te fait du x2, en fait. Il te laisse pas choisir avec un pourcentage, mais x2, quand t'es déjà à 65 cm, ça te fait 1m20, quoi. Ah ben, en tout cas, pour un billboard... ça peut le faire. Hein. Attends, je vais prendre... Je regarde juste ce que j'ai. Ouais, ici aussi, donc, je vais en prendre une peut-être un peu plus lumineuse. Donc ici, on voit assez bien les avant-après. Je vais réagrandir. Donc là, il n'y a pas trop de différence, si ce n'est que pour moi, c'était une ville qui avait une ambiance orange. Et de nouveau, hein, ici, photo originale, super sombre. Pourquoi ? Parce qu'au final, ben, la fenêtre là en haut, le panneau ici... Tu voulais garder le détail, quoi. Ouais, il n'y a rien qui est surex. Et... Après ça, probablement que l'appareil a un rôle, mais en tout cas, avec le 5D que j'utilise pour le moment, remonter les basses lumières, c'est vraiment pas un problème. Quoi. J'ai envie de dire, c'est les doigts dans le nez. Il n'y a rien à faire, ça fonctionne tout seul. Ce qu'il faut aussi savoir, je préfère prévenir, c'est que je ne suis pas forcément patient. J'aime bien quand ça va vite. Ça prend 2 ans et demi, 3 ans, mais il faut que ce soit fait rapidement. Pour avoir l'idée. Mais quand j'ai l'idée, j'adore j'aime bien que ça d'aboutir très très vite. Donc ça, par exemple, c'est quand même une des toutes premières que j'ai fait. Là, je crois que la différence est flagrante, quoi. Le processus de couleur, ça change tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première série. Donc, et c'est vrai que là, enfin, moi je ne peux pas m'empêcher quand je vois la photo à gauche, c'est comme ça en réalité, mais quand tu es sur place, que tu vis l'ambiance, ce que tu as en tête, c'est ce qui est de l'autre côté, quoi. C'est ça, c'est toi, tu fais ta balance des blancs dans ta tête tu l'as fait, bouger, tu l'as fait vibrer par rapport au ressenti. Tu es pas... Complètement. Je vais vous montrer, si ça intéresse, c'est pourquoi j'utilise parfois Photoshop. Donc, Pour expliquer de manière simple, Lightroom me suffit à 100% pour tout ce qui est couleur. En gros, le moteur couleur, les deux moteurs sont les mêmes, donc j'ai aucun problème au niveau couleur avec Lightroom. Je crois que j'irais dans Lightroom vraiment si je devais commencer à travailler avec des masques très précis.
Mais en gros, ça n'a jamais été quelque chose de nécessaire. Par contre, je vais prendre du bail. Attends. Je vais prendre du bail, la seule sortie nocturne. Voilà. Donc, en fait, si on prend cette série-ci, par exemple, à un moment, j'ai voulu photographier ça. OK? Donc, ça, c'est la photo originale, hein, il n'y a pas de retouche. Et donc, j'ai mon pied qui est mis, je fais ma longue exposition. Donc, dans ce cas-ci, c'est 30 secondes d'exposition. Donc, ça, c'est vraiment des longues, longues photos. Et j'en fais une série et je commence, j'attends qu'il y ait du mouvement. Donc j'attends qu'il y ait un bateau, par exemple, qui passe. Donc on va, voilà. Là, on a des bateaux qui passent, on le voit en bas de la photo. Et là, je commence à régler mon expo, quoi. Parce que je me dis quel genre de ligne je veux avoir. Donc par exemple, ici, j'en ai une qui est déjà retouchée, mais c'est une photo de 5 secondes. Donc ça, c'est 5 secondes de mouvement parce que le bateau avance lentement. Donc une fois que je commence à faire ça, je vais vous montrer parce que je sais que ça intéresse toujours, l'avant après. J'en fais une, je vois ce que ça donne, je me dis ok, ça me parle. Par contre, ce qui ne me parle pas là, c'est que le ciel est super clair. Donc je commence à regarder mes photos, je me dis j'ai sûrement photographié jusqu'à ce que la nuit tombe. Donc je vais regarder un peu plus loin dans mes photos pour avoir des photos où il fait noir. Tac, voilà, là il fait beaucoup plus noir. Et donc là, de même, j'utilise, je crois, les mêmes settings, je change pas tellement une fois que j'ai trouvé. Ouais, une fois que là je suis à 2 secondes, donc 1,6 secondes, donc ça change quoi. Mais j'ai toujours ces mouvements. Le truc, c'est que quand j'étais sur place, ce qui était super intéressant, c'était toute cette ambiance de bateau qui bouge, que j'en ai un à gauche, un à droite, etc., etc. Et donc, en fait, ce que je fais au final, c'est que je vais prendre, je vais vous les montrer, j'en ai retouché une série. Donc, je vais aller chercher. Je vais faire en sorte qu'on voit un petit peu mieux. Donc, voilà, là, vous avez toute la série de photos qui ont été. Retouches qui ont été faites sur trépied à ce moment-là, et on sait voir assez facilement celles qui ont été retouchées, hein, elles sortent Oui, du parce qu'elles ont lot. déjà la couleur, hein. Je pense que c'est ça. Ouais. J'ai une question de Faber Gallet qui nous dit, mais comment réalisez-vous cette ambiance chromatique? On y vient, doucement, une étape à la fois. Et donc, en fait, donc je les retouche, et puis après, mon objectif, c'est de créer ça en fait. Donc, de mettre tout ensemble pour avoir vraiment un mouvement chaotique organisé Et donc, ouais, tu retouches pas d'image. tout, c'est juste quelques-unes qui ont le droit. Ouais, donc en fait, je retouche chacune. Et alors, comment je les retouche? Alors, en gros, celle-ci, je peux montrer donc les réglages qui sont utilisés. Donc, c'est un peu de tout. Mais donc, je vais expliquer comment je fais dans l'ordre, comme ça, vous avez une idée. Attends, je vais la charger parce qu'elle est super pixelisée chez moi. La magie de l'historique dans Lightroom, ça c'est vraiment un truc que j'adore. L'idée de pouvoir revenir sur ton image d'origine et te dire, ouais, on a fait tout ça dans tel ordre, etc. On a choisi. Ouais, sauf qu'en fait, je dois trouver l'original parce que celle-ci, c'est une où j'ai copié-collé les settings. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, comme je suis un peu maniaque, premier truc que je fais, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que Lightroom, par défaut, met les menus dans cet ordre. Mais moi, c'est le Lens Correction en premier, puis le Transform en deuxième. Toujours. C'est toujours comme ça. Parce que, en fait, ça ne sert à rien que je commence à retoucher les couleurs de ma photo si le cadre ne me plaît pas. Donc, une fois que le cadre est bon, alors je commence à retoucher balance des blancs, exposition, etc. Et les couleurs, j'ai souvent vu des gens, tout le monde me dit, ah oui, tu utilises les color grading, etc. Mais c'est pas vrai, j'utilise pas color grading. Et la raison pour laquelle j'utilise pas color grading, ou j'utilise hyper rarement, c'est parce qu'en fait, color grading agit comme un filtre sur toute l'image. Tu vois, si je change mon color grading, ouais, il va jouer sur les zones sombres, il va jouer sur les zones claires, mais ça reste assez global dans toute l'image. Alors que moi, ce que je veux faire, c'est jouer sur des couleurs en particulier. Donc, par exemple, je vais aller chercher mon rouge et je vais modifier. Ouais, je sais pas si ça se voit bien. Donc là, le rouge est passé orange et il est passé rose. Et donc, je vais faire ça pour chaque couleur. Pour chaque couleur, je vais tester quel genre de style colle le plus à l'ambiance que moi j'ai en tête de cette image. Et du coup, en fait, ça va être vraiment couleur par couleur où Ouais. tu vas vraiment diviser ta photo entre ta couleur froide, ta couleur chaude, si on est sur du bleu et du rouge. Exactement. Et donc, je vais faire ça au fur et à mesure. Et si, donc, je vais le faire pour toutes. Et alors, il est possible qu'après, je vais revenir dans mon exposition, remodifier. Et il est encore plus probable que si je trouve que je n'ai pas su aller assez loin,
je vais aller en fait changer la calibration. Par exemple, ici, je n'ai pas changé beaucoup, mais le bleu a changé. Et si je bouge la calibration de l'appareil, on voit tout de suite la différence, quoi. Donc, elle a, ça a un impact énorme de changer sur la calibration que l'appareil utilise, en fait. Mmh. Et donc, ce que je vais faire pour que ce soit, enfin, si ça intéresse, c'est que moi, je me disais que j'allais prendre une photo sur laquelle je n'avais jamais travaillé. Par exemple, eh ben, on parlait de photos qui traînent sur le disque dur et que j'en ai encore rien fait avec. Donc, Kyoto. Kyoto, c'est une série que j'ai jamais commencé. Voilà, il y a 600 photos de Kyoto. Donc ça, c'est vraiment mes rushs, quoi. C'est vraiment ce qui sort de la carte mémoire, OK ? Alors, on va rapidement trouver un truc intéressant au niveau lumière. Donc en gros, c'est en général, je cherche d'abord ce qui va m'intéresser au niveau lumière. Donc je ne les regarde pas en grand, je les regarde en petit parce que ça va tout de suite me marquer. S'il y en a une qui m'interpelle, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. Attends, ouais, ça c'est chouette. Ok. Prends par exemple ça. Donc en fait, là, donc de nouveau, c'est une photo qu'on pourrait presque dire sous-exposée, mm-hmm. puisque on voit. C'est très sombre, mais les lumières du bâtiment... D'ailleurs, ici, c'est un peu surex, je trouve, à mon goût. Mais par contre, les lumières du bâtiment ici sont vraiment bien. Donc, je vais prendre... Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer parce que je veux voir s'il est bien net. Oui, ça, c'est hyper important, je suppose, de t'assurer ouais. que t'es... Ouais, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps sur une photo qui est pas nette, en fait. Donc, je préfère vraiment tout de suite faire ça. Et donc, comme je disais, là, je vais passer dans développe. Donc, comme vous pouvez voir, celle-là, elle n'a pas d'historique. Donc, celle-là, on va vraiment la travailler. Et donc, je vais vraiment, hop, je vais remettre ce bâtiment un peu plus droit. Hop là, tout seul, en trois clics. Je vais la recadrer direct parce que j'ai trop d'avant ici, ça m'ennuie. Je vais faire un peu moins. Voilà, on va partir là-dessus. Et alors, j'ai envie d'un peu voir... Donc, quand je la regarde comme ça, déjà, j'ai envie de voir jusqu'où je vais pouvoir la pousser. Donc, ici, en haut, vous avez l'histogramme. Et ça fait pas très longtemps, ça doit faire quelques mois que j'utilise de plus en plus l'histogramme parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rapide pour pouvoir vite checker. Alors, attends, en fait, deux secondes. Ouais. Petit sondage à main levée dans les gens qui utilisent Lightroom ici avec nous. Est-ce que vous aviez remarqué que sur l'histogramme, quand vous survoliez une partie de votre image, vous pouvez l'éditer directement ? Et vous pouvez, tu peux changer, genre tu veux des tons moyens plus clairs, tu les glisses à droite et il va te changer l'image complètement. Est-ce que vous aviez vu ça, vous, les gens ? C'est une des fonctions, moi ça me fait gagner tellement de temps, et je sais pas si elle est bien connue, si elle est bien utilisée. Je sais pas si c'est bien connu, parce ouais. que quand je dis que j'utilise Instagram depuis quelques temps, pas longtemps, mm-hmm. c'est parce que justement je me suis rendu compte de cette fonction. Ouais. Alors, en gros, moi j'adore, je viens... donc là... À ce stade, je travaille à la tablette hein, parce que je sais pas, j'aime bien pouvoir aller, c'est plus rapide pour moi. Et donc, du coup, ici, je vais vraiment chercher et je regarde. Et alors là, je pousse et je regarde. Et... Ça me permet juste de voir qu'est-ce que j'ai dans mes basses lumières. Ah oui, ok, c'est récupérable, c'est pas mal. Ok, et du coup, je repars vers l'arrière, je la remets comme elle était. Je vais même essayer de ne rien avoir sur X. Puis après, là, je sais que je vais partir dans une ambiance... Bon, ben, si je passe dans une ambiance glow, à mon avis, je vais partir sur une dominante bleue et une dominante rose. Donc déjà, avant même d'aller mettre du bleu ou du rose, la première chose que je fais, c'est je travaille avec ma balance des blancs. Mm-hmm. Donc là, je suis occupé à légèrement prendre le truc bleu et un petit peu bleu. Oh. Je vais sortir tout ce qui est sombre. Donc, j'ai envie de... Souvent, je travaille avec les shadows, les ombres pour les faire sortir un petit peu. Je vais un peu booster, pas trop, parce qu'en fait, ce que je veux pas, c'est que ça devienne tout blanc. Ouais. Donc, je veux garder de la texture et de la substance là. Donc, jusque là, ça me plaît. Sorry, ça ralentit un peu. Je monte un peu la texture. Voilà. Et alors, je vais déjà mettre un peu plus de vibrance, parce que ça va me permettre, même si je la diminue après, ça va me permettre qu'à chaque fois que je vais faire une retouche maintenant, je vais voir beaucoup plus vite, ça va avoir plus d'impact et donc je vais tout de suite voir si c'est ça que je veux. Donc là, j'ai plus ou moins une balance des blancs correcte.
par rapport à ce que je veux, évidemment, par rapport à, par rapport à la réalité. Et donc, je vais aller dans couleur. Et là, ben, donc ici, clairement, j'ai du orange. Donc, je vais aller prendre mon orange. Je vais tirer mon orange carrément vers les roses. Et du coup, je ne sais pas s'il y a du rouge dans la photo. Ouais, il y a du rouge dans la photo, donc je vais tirer mon rouge aussi. Voilà. Et alors, ça, par contre, autant tu as trouvé l'histogramme, autant utiliser la petite pipette pour aller faire, pour aller faire le changement de couleur en local, ça c'est pas un truc sur lequel tu joues, toi. Attends, tu veux dire? En fait, quand tu es sur ton développement de photo et que tu es ouais. sur la partie de retouche couleur, tu as le... Ici en haut? Ici en haut, en fait, t'as le petit onglet qui te permet ouais. qui te permet. Alors attends, j'essaye de le retrouver. Non, plus bas. Sur HSL Color. Attends, pourquoi? Comment il est rangé? Vite, tout. Attends. Est-ce que je suis à jour sur mon Lightroom? Ouais. D'habitude, je suis à jour. Non, en tout cas. Ouais. Bah en tout cas, ça, s'il y a une pipette, ça m'intéresse parce que ça pourrait être pas mal. Mais là, ici, je le fais sans parce que je le fais toujours pour que toute la photo soit... que toutes les couleurs de la photo changent, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis en train de chercher pourquoi dans ton Lightroom, qui est un Lightroom, tout ce qu'il y a de plus classique... Parce que je sais que la pipette, j'en ai une ici. Qu'est-ce que j'ai raté sur... Non, c'est pas une pipette, en fait. Tu sais, c'est juste un petit curseur. Et quand je suis sur le HSL Color... Voilà, oui, ok, pardon. Ok, c'est parce que t'étais dans Color et pas dans... C'est ça. Voilà. Et en fait, si tu prends le petit onglet sur le côté, tu vas pouvoir... Tu te mets en mode Hue, puisque c'est la couleur qui t'intéresse. Là, t'es sur Hue, Saturation et... Et je vois qu'il bouge en même temps sur le côté où je me trouve. Ouais, mais si tu prends, voilà, si tu prends ta petite... voilà, le petit curseur qui t'a rajouté, il va bouger à l'endroit où t'es. C'est magique, quoi. C'est top, parce que je connaissais pas. Et je me demande si je vais pas utiliser ça. C'est très intéressant. Grand merci. De rien. Et surtout, moi, je découvre... que j'avais jamais pris le temps en fait de faire gaffe que sur l'interface quand on était dans l'autre mode on n'avait pas l'ensemble des points, tu sais, on a le TSL ou quand on est en mode couleur et pas sur le HSL on n'a pas la pipette, c'est très frustrant. Bah ouais, parce que du coup je savais pas, mais c'est vrai que je vais sûrement utiliser, ça m'intéresse. Il faudrait que je demande Et d'ailleurs là justement, il y a 2 secondes, je l'ai fait avec la pipette, mais ici, donc je le fais, on voit l'arrière qui est occupé à changer. Donc, tout ce que j'ai changé en avant-plan avec les roses qui étaient oranges ne change plus, mais par contre, mon arrière est complètement occupé à changer. Et donc, j'ai commencé à avoir cette ambiance bleu-rose que j'essaye d'avoir, quoi. Ouais, et puis du coup, t'as vraiment la distance passe en bleu et le premier plan passe en rouge dessus. Ouais, alors je suis du genre assez... j'y vais sur la saturation. Enfin, au cas où ça se voit pas, j'aime bien les photos qui pètent. Donc, quitte à diminuer plus tard, mais au début, en général, j'augmente tous les channels. Et alors, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, je ne sais pas si ça va être nécessaire ici, mais on va quand même aller voir, c'est que parfois, je n'ai pas assez avec ça. Et donc, je passe à la calibration. Et là, je peux encore, ça se voit direct, je peux encore vraiment donner un coup sur toute la photo et changer simplement les valeurs des couleurs. Donc ici, à la limite, je pourrais quand même un peu le faire. Ouais, et puis du coup, ça te permet d'harmoniser la photo à la fin, quoi, de t'assurer que tout était tout est cohérent, ne serait-ce aussi que par rapport à une série, vu que tu as quand même beaucoup de photos en série, par rapport aux villes, par rapport à tes déplacements. Exactement. C'est exactement ça. Déjà là, c'est pas trop mal. J'aime bien l'ambiance. Et alors, je reviens aussi toujours à ma balance des blancs. Pourquoi? Parce que son nom l'indique, quoi. La balance des blancs, c'est la balance qu'on a dans la photo entre les deux dominantes, dans ce cas-ci, le bleu et le rose. Et je peux très bien encore repousser l'un ou l'autre si je trouve que, par exemple, si j'ai une photo qui est bleu et rose, et je trouve qu'il y a trop de bleu, je peux revenir et dire, ouais, mais en fait, sur celle-ci, j'aimerais bien qu'il y ait plus de rose. Faire remonter un petit peu, là. Voilà. Et donc, en général, comme je disais tout à l'heure, comme je suis un peu fainéant, je vais pas forcément aller plus loin, mais dans ce cas-ci, je vais aller chercher un masque et je vais mettre un masque autour de mon bâtiment qui est bien rose. Et là, par contre, je vais voir si je peux pas rendre encore un peu plus bleu l'arrière-plan et un peu le
relever au niveau de la clarté. Bon, je fais ça un peu vite vite, mais comme ça, ça donne l'idée, quoi. De comment je travaille et je scie. Ah non, c'est pas ça que je veux, c'est l'inverse. Bah, je me trompe toujours avec l'inversion dans Lightroom. Hop. Hop, voilà. Et je vais probablement resaturer un peu ici. Donc voilà, ça c'est un exemple où j'ai fait assez rapidement, mais c'est un exemple où j'ai fait toutes les retouches dans Lightroom, ok? Couleur. Maintenant, imaginons, je trouve ici que devant la rue, il n'y a pas assez de mouvement, d'accord? Ça tombe bien parce que j'en ai fait une série. Donc, ce que je fais, c'est que je fais copie, je prends tout. Et là, je vais par exemple, je vais aller regarder les autres photos et voir. Alors déjà ici, je vois qu'il y a du mouvement. Hop, je la prends. Je vais en prendre. Ah non, ça c'est une autre photo. Je vais juste aller voir celle que j'ai fait avant. Là, il y a deux personnes à gauche, ça me plaît bien. Et là, par contre, elle, elle n'est pas exposée de la même manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir corriger l'exposition sur celle-ci pour qu'elle soit beaucoup plus proche de ce qu'on a fait. OK? Et par contre, vous voyez ici, les lumières au centre sont plus blanches que ce que je veux. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, cette photo-ci ne va me servir que pour les gens qui sont devant. Donc, je vais juste l'utiliser comme un... Ouais, comme un masque, quoi. Donc, du coup... Par exemple, je vais encore prendre celle-ci et puis avec ça, je vais vous montrer comment je procède après. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai quatre photos de cet endroit, d'accord? Je prends mes quatre photos et je les ouvre depuis Lightroom dans Photoshop. Alors, j'adore ça parce qu'avant, je les sauvais en JPEG non compressé et je les rouvrais dans Photoshop. Et du coup, tu avais déjà perdu toute la dynamique de ton Ouais. Jeu. Exactement, quoi. Non seulement je perdais la dynamique, mais en plus de ça, si après je voulais re-retoucher au-dessus, c'était pas une bonne méthode. Alors que maintenant, donc pour info, ils les ouvrent en TIFF, 16 bits, elles sont en full résolution, je perds rien du tout. Et donc quand elles vont revenir dans Lightroom après, elles seront nickel, quoi. Et en plus, ils me les ouvrent en layer. Donc je dois pas les. Donc là, je sais pas si on voit à droite, il est occupé à. Il est en train d'ouvrir chaque photo et après de la coller. Ouais. Il fait directement les stacks pour toi, les empilements. Ça, j'adore. Et Daniel après... nous dit d'ailleurs, dans la mesure où tu utilises d'ailleurs systématiquement le lens correction, est-ce que tu as pensé du coup à te faire un preset, un pré-réglage que tu appliquerais à tes rushs directement à l'import? C'est pas toujours le même ou c'est... Alors, souvent, j'utilise le lens correction avec le transform, quasi tout le temps. Ouais. Le lens correction, je pourrais le faire à l'import. Par contre, le transform, j'ai remarqué un truc, tu vois, c'est que quand tu le fais en copy-paste, enfin, quand tu copy-colle, tu dois faire un update parce qu'il doit relire la photo. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que dans ce cas-ci, j'ai copié-collé le filtre de la première photo sur les autres. Ouais. Mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas fait de mise à jour du transform. D'accord. Parce que parfois, d'une photo à l'autre, le transform est légèrement différent et je veux absolument pas qu'il fasse ça. Je veux qu'il garde le même transform sur les quatre photos. Bien sûr, surtout si tu es au trépied dessus et qu'il n'y a pas de raison que ça ait bougé à part le moment de la prise de vue. Et parce qu'en Asie, j'ai envie de te dire, quand tu es sur un pont, par exemple, et que tu fais une photo sur un pont, comme par exemple au Japon, ils ont leurs ponts qui sont prêts pour les tremblements de terre, quand quelqu'un marche à côté de toi sur le pont, tu as tout le pont qui bouge en fait. Donc du coup, tu as beau être sur trépied, ta photo bouge. C'est là que, comme je suis méga maniaque, je prends Photoshop, je sélectionne mes quatre layers. Quand c'est quatre layers, ça va assez vite. Et alors, en fait, je demande encore à Photoshop de les auto-aligner. Juste pour être bien sûr que tout est aligné. Pas bouger dessus. Juste pour être sûr que tout est aligné, quoi. Juste comme ça, là, après, je suis certain. Alors là, ça va assez vite, c'est tranquille. Parfois, il y a des compositions, genre la composition avec les bateaux, ou il y a des compositions à Dubaï où ça, c'est 20 photos. Donc là, ça met un peu plus de temps, évidemment. Daniel qui nous dit, mais tu sais que tu peux aussi utiliser précédent sur tes photos suivantes pour gagner du temps sur les retouches. Quand tu sais précisément de quelle photo tu vas à quelle autre photo, si tu mets précédent, il va te récupérer tous les réglages de la photo précédente. Ouais, top. Je le fais pas souvent parce que souvent, enfin, il y a parfois c'est pas la précédente, mais ça c'est le genre top réglage. Ouais, mais j'adore sur les séries. Je suis occupé à regarder. Donc en fait, comment je fais, j'essaie de retrouver d'abord celle que j'avais retouchée de base. Qui était la plus vite pour le coup. Mais qui est celle-ci en fait. Et donc je prends celle-ci, je la mets en bas, je la lock
parce que je vais plus y toucher. Pas que et puis en gros, je regarde un peu, donc je joue avec mes masques. Voilà, donc je vais commencer par celle-ci. Donc qu'est-ce que je fais? C'est vraiment basique, mais c'est ma méthode. C'est comme ça que je fais toutes mes photos. Je lui ajoute un masque, je l'inverse. Je prends ma brush, en général, opacité 20%, 30%, pas plus, parce que je veux découvrir le truc, je veux pas juste copier-coller la nouvelle image. Donc je regarde juste plus ou moins où étaient mes personnages. Ok, je vois qu'ils sont là, je réinverse le masque, et alors je viens... tiens. Ah oui, voilà. Ah non, je suis pas sur le bon. Sorry, les gars. C'est ici. Tac. Voilà. Et donc je viens, en fait, les faire apparaître. Et donc, comme ça, c'est comme ça que je crée le mouvement. Là où tu n'avais rien du tout. Où j'en avais pas, quoi. Parce que le problème, c'est que malheureusement, bah, quand tu fais une photo, tout n'est pas toujours à l'endroit que tu voulais. Et ça va jusqu'à, parfois, quand j'ai des photos avec des buildings et que je vois que sur une photo, il y a des lumières qui sont allumées dans le salon du troisième étage, mais pas sur la photo finale. Je vais chercher dans le building les fenêtres allumées. Avec l'angle qui se rapproche le plus de ce que tu veux. Tu écris des messages quand tu fais des photos de building plus grand ou pas? Non, pas encore. Mais c'est une belle idée. Donc ici, ouais, je vais aller chercher le gars qui sort du magasin parce qu'en plus, attends, ouais, la vitrine est vachement mieux exposée sur cette photo-ci. Donc du coup, là, je vais vraiment aller chercher ce personnage et ça va me permettre que la vitrine sera beaucoup mieux exposée. Ouais, tu fais un peu retrouver, tu fais remonter des fantômes d'une autre époque. Je regarde vraiment l'avant après quand je les mets l'une sur l'autre et je regarde, tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et alors, par exemple, c'est con, mais ici, tu vois, il y a les chaussures d'une femme qui est passée. Et ben, ouais, c'est clairement le genre de truc que je vais prendre parce qu'en plus, ça va assombrir le bas de mon image. Ouais. Et ça m'arrange bien parce qu'en fait, du coup, ça va attirer l'œil vers la partie la plus éclairée. Donc, du coup, je vais aller vraiment peindre, en fait. C'est comme si chacun de mes layers photos, chacune des photos que j'utilise là, que j'ai estampillées, était une couche de couleur, de peinture. Et après, à la tablette, je vais aller vraiment choisir. Je vais peaufiner le masque. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et lui, je ne sais pas trop si je vais le mettre. On va voir ce qui va peut-être me déranger. Quoique il me dérange pas, en fait. Hop, par contre, du coup, j'ai supprimé lui, donc je vais le récupérer. Parfois, il faut aller avant-arrière. Voilà. Ouais, d'où l'intérêt de travailler sur les masques, parce que tu es sûr que tu peux revenir dessus. Quoi. Exactement. Et alors là-bas, au fond, j'aime bien regarder d'avoir de la vie dans le fond de mes images. Donc là, par exemple, je vais aller rajouter un petit personnage. Voilà. Je vais juste regarder rapidement. Tu me dis si on dépasse le temps, hein, parce que... Dans 2 minutes, on sera arrivé au bout de notre heure et demie. Ok. Mais on ne se fait pas jeter un coup de pied au derrière. Donc tout va bien. On a le temps de quand même repasser dans Lightroom à la fin. Donc du coup, une fois que j'ai ça, comme je n'ai pas envie que... Donc en fait, quand tu repasses dans Lightroom, il te le sauve en TIFF. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut te le sauver en TIFF avec tous les layers, ce que j'ai pas envie parce que je vais avoir des problèmes de stockage. J'ai déjà 100 téras là, donc je te dis pas. Donc je combine tous mes layers ensemble. Mm-hmm. Je vérifie en général à ce moment-là, je passe en correction donc avec mon petit ma petite espèce de petite gomme. Et alors souvent, je regarde juste s'il y a des gros trucs qui me dérangent pas. J'aime bien garder la réalité. Hein. L'idée, c'est pas de photoshopper que ce soit plus la vraie photo. Mm-hmm. Mais je regarde quand même s'il n'y a pas des trucs qui pourraient m'ennuyer, genre si j'imprime la photo après ou quoi, tu vois. Mm-hmm. Genre, pour donner un exemple, par exemple, quand j'imprime une photo, si j'ai pas envie que dans mes noirs, il y ait trop des petits points blancs, je vais aller retirer les gros petits pixels comme ça. Je vais aller les enlever pour... Tu veux garder de la matière, mais pas... Mais attention à ce que ce soit pas trop contraste, quoi. Ouais, pas des trucs qui... Sur une photo, il y aura beaucoup de noir. Au final, je vais avoir des points blancs qui vont me gêner un peu partout, quoi. Donc ça, c'est ce que je fais quand je vais les imprimer. Là, celle-là, elle a pas trop de problèmes. Et alors, ben, c'est bête, mais...
Tu as parfois comme c'est des photos où je ferme beaucoup au niveau de l'objectif, parfois j'ai les taches de mon capteur qui apparaissent. Et donc je nettoie les taches du capteur. Ça aussi je fais. Donc Ouais, là ça, je c'est pense que c'est bon. un truc classique. Si vous voulez pas ouvrir votre boîtier, aller nettoyer ça dans un endroit sans poussière. Pas le courage, moi. Donc là je sauve. Donc il est occupé à sauver. Je peux la fermer ici. Et alors là, je vais repasser dans Lightroom. Lightroom est occupé à me loader, mais il me load un TIFF maintenant. Donc voilà, il a marqué là, il y a un TIFF qui est chargé. Donc ça, c'est ma photo finale. Et alors, en général, ce que je fais d'office, c'est que je vais dans le crop et je choisis un rapport hauteur-largeur de 3,5, 2 tiers. Parce que c'est le rapport hauteur-largeur que je veux que ma photo ait, c'est le rapport hauteur-largeur original. Pourquoi je fais ça? Parce que quand j'ai fait mon auto-align dans Lightroom, quand il fait l'auto-align, parfois il bouge les photos et le rapport hauteur-largeur n'est plus respecté. Donc je fais ça et je crop légèrement pour être sûr, en fait. C'est en général comme ça que je travaille quasi toujours. Et alors là, je vais la charger pour être sûr qu'elle est nette. Je vais probablement encore lui donner un coup de peps. Petit coup de vibrant, c'est peut-être même un coup d'expo. Contraste, c'est vraiment fignolé là, hein. C'est sur la fin. Voilà, et donc là, à mon avis, je suis bon. Voilà, ça donne une idée plus ou moins. Et donc, si on vient voir d'où on est parti, si je reprends plutôt celle-ci, parce que du coup, là, que je fais. Voilà. Bah écoute, tu sais que tu fais des heureux, alors tu fais des frustrés. Il y a Yves qui me dit, oh, c'est quand même dommage de tout aplatir pour une correction future. Donc ça c'est le principe. J'en ai reparlé, je l'ai relancé hier, le fameux triangle de qualité, rapidité, sécurité. Toi tu cherches de la qualité, t'es pas forcément sur de la sécurité parce que t'es ton seul décisionnaire, t'es le seul maître à bord pour le style de tes images, donc quand tu fais un choix, c'est un vrai choix définitif, mais dans le pire des cas, tu as toujours ton négatif de départ. Ouais, et alors si je peux ajouter un truc là-dessus, que avant je gardais mes PSD. Oublie, hein, c'est un serveur qu'il te faut. Enfin, j'ai déjà un serveur, mais là, Ouais, c'est il ça, m'en faut trois. Et en gros, le truc, c'est que quand c'est ta photo et que tu travailles dessus, quand est-ce que tu t'arrêtes? Ouais. Quand est-ce qu'elle est OK? Tu vois, là, j'ai été super vite parce qu'on est en live et tout, mais franchement, il y a des fois où je peux passer 2 heures, hein, sur une photo. Et donc, du coup, quand est-ce que tu t'arrêtes? Et le fait qu'à un moment, tu aplatis tout et tu sauves, ah ben c'est fichu. Tu peux plus revenir en C'est ça, arrière, tu c'est veux bon. plus revenir, Tu es obligé. t'es allé trop loin et du coup t'es sûr de pouvoir avancer et passer peut-être à la photo suivante. Tu es obligé de t'arrêter, quoi. Il y a Clément qui nous dit, j'ai fait des expos longues d'une route avec vue sur la Défense au loin et cherche à combiner des traînées de phares des voitures. C'est exactement cette technique que je vais utiliser. Bah, tu Ah vois, ben, ouais, ça non, c'est parfait. franchement. Mais par exemple, tout ça ici, j'avais fait une expo à Sharjah, près de Dubaï. Et en fait, les visiteurs me demandaient, ah oui, mais comment vous avez fait cette photo? Comment vous faites pour faire ça en une photo? Donc celle-ci en particulier. Et je disais, non, non, ça Plusieurs photos compositées. c'est 5-6 photos, hein, parce que vous pensez bien que si le bus passe en même temps que la dame, elle traverse, c'est C'est plutôt dramatique ce qui s'est dangereux. passé sur le moment, quoi, tu vois. Donc, par contre, celle-ci, parce qu'il y a y a quand même Il y a des certaines photos où tu y exceptions. arrives quand même. Ça, voilà la preuve que c'est une seule photo. Ah ouais. Parce que, coup de chance, le bus à gauche est passé en même temps que le tram à droite. Voilà, ça c'est vraiment du coup Mais de chance, ou quoi. alors faut avoir un très bon régisseur qui fait partir les bus au bon moment. Mais c'est plus le même tournage. Sinon, tu as de la patience et tu restes comme moi 45 minutes sur place en attendant que ça se produise. Mais celle-ci aussi, c'est impossible à réaliser en une photo, puisque sinon il y aurait une grosse collision C'est ça. de plusieurs bus. C'est Donc, ça. La collision de pixels, ça va. La collision pour de vrai, c'est un peu plus gênant. exactement. Donc voilà. Écoute, c'est vraiment magique tout ce travail-là. Je pense que
Qu'est-ce que vous en dites, les gens du chat? Est-ce que ça vous a plu de voir? Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, on en a quelques-unes. Tout à l'heure, la question de Faber Galec sur comment vous réalisez l'ambiance chromatique, je pense que c'est fait. On a eu pas mal d'échanges techniques avec Daniel et Yves sur les petites méthodes. Il y a eu une proposition d'Arnaud de t'embarquer dans un tournage en Belgique, si tu étais toujours à Bruxelles à la fin du mois, bon, on va en reparler. Mais voilà, je pense qu'on a fait un grand tour de la question. Yves nous dit, c'est un truc dommage avec Lightroom, c'est qu'il ne soit pas possible d'ouvrir les autres calques en lien dynamique. C'est vrai, ça pourrait être intéressant. Mais dans ce cas-là, si vous avez des questions en plus sur ce genre de choses, la recommandation, c'est comme d'hab, c'est feedback.photoshop.com. Quand vous avez des idées géniales sur comment améliorer Photoshop, comment améliorer Lightroom, comment améliorer vos applications que vous utilisez au quotidien, donc vous avez sûrement creusé les méthodes et les manières de le faire, vous passez sur feedback et vous allez proposer ça, ou regardez si quelqu'un n'a pas eu la même idée que vous. Parce que ça arrive aussi pas mal. Attends, et l'idée, c'est quoi? Ce serait d'avoir les layers dans Lightroom? Alors, je pense qu'il veut que quand tu ouvres plusieurs calques dans Photoshop, en fait, qu'il te les ouvre tous en objet dynamique. Comme ça, tu peux modifier encore ta photo originale. Alors que là, toi, tu l'as fait image par image, il a récupéré dans le TIFF des calques de pixels. Alors que quand tu ouvres une photo à la fois, tu peux faire un objet dynamique à la fois. Et Daniel nous dit qu'il est ravi. Ah ouais, tu peux en ouvrir 15 si tu fais Smart Object. Ouais, okay. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça marche avec n'importe quelle combinaison de couleurs? Bah, moi, je dirais qu'il faut tester, Clément, mais je pense que c'est plus facile du chaud du froid. Si je peux donner un conseil chaud et froid maintenant. Allez, je peux faire un petit... Donc, rose et bleu pour la nuit, ça marche assez facilement. Maintenant, Kobe, par exemple, c'est la nuit et je l'ai fait en orange et bleu. J'ai aussi fait Chicago en orange et bleu. Ça me parlait beaucoup plus. C'est une ville froide et je ne la trouvais pas chaleureuse comme les villes asiatiques. Donc, je suis parti complètement orange et bleu. Ici, la composition, c'est quasi 15 photos différentes. Hein, par contre, récemment, comme on disait, je mets des années à me décider, j'ai travaillé sur des photos de jour, en fait. D'accord. J'ai aussi retouché les couleurs. Mm-hmm. Alors ça n'a jamais été publié, donc c'est un petit peu... C'est l'exclu, même pas sur ton Instagram par flemme, comme tu disais tout à l'heure. Celle-là, elle n'a jamais été publiée, je pense. Et donc, c'est vraiment en mode tiens, pourquoi pas, on monte le test. Donc, c'était une photo en hélico de Tokyo. Et clairement, elle est trop de jours pour la passer en glow, comme je ferais naturellement. Mais pourtant, je la trouvais tellement intéressante. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire le jour? Et en fait, de nouveau, j'ai réfléchi, je me suis dit, quelle est ma perception de cette photo la journée? Ma perception de cette photo la journée, c'est fin de journée, coucher de soleil. Du coup, je suis parti 100% dans l'orange avec moins de bleu. Donc, Kobe, c'était plus de bleu que d'orange. Chicago aussi. Là, je suis parti beaucoup plus dans l'orange. Et j'ai commencé à faire des tests où j'ai commencé à essayer de développer une série de jours, en fait, qui est beaucoup plus orangée, en fait. Et donc on peut avoir des trucs comme ça de Hong Kong le jour où on a juste les fenêtres qui partent en bleu. Donc j'ai le sentiment de par mon expérience, mais je dis pas que c'est la solution ultime, mais que à chaque fois que tu tapes une couleur chaude et une couleur froide, ça devrait fonctionner. Mais bon, peut-être qu'un jour peut-être dans 2 ans je dis le contraire, je sais pas. Donc voilà. Ben écoute, TN nous demande s'il y a moyen de faire du potable à moindre coût avec un appareil à moindre coût et de faire des photos correctes. Ouais. Je suppose que la problématique que tu nous exposais tout à l'heure, c'était la qualité en ISO, en basse lumière, etc. Et aussi que, donc ça je ne l'ai pas mentionné, mais je travaille maintenant, depuis que je fais ça, je ne travaille plus qu'avec du full frame. Donc plein format, pourquoi? Parce que justement en plein format, beaucoup plus d'informations, beaucoup meilleure qualité de nuit et la résolution permet d'imprimer en très grand, donc ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant. Par contre, je connais pas toutes les marques, j'avoue, Sony fait des super appareils en basse lumière, moi je suis chez Canon, je suis super content depuis toute ma vie, j'ai jamais rien eu d'autre que Canon, et je dirais que donc je sais par exemple que le bas de gamme chez Canon,
ça doit être 400 €, un truc comme ça, les tout premiers boîtiers réflexes. Et c'est top. À partir du moment où ton appareil photo fait du RAW, parce qu'il faut bien se dire que je ne suis jamais en JPEG pour pouvoir faire des retouches pareilles. Oui, il faut que tu gardes la dynamique de ton image, il faut pas que j'ai besoin d'une dynamique. Donc, à partir du moment où tu fais du RAW, c'est pas tellement ton appareil qui va faire le truc, c'est plus ta retouche. Et allez, ton optique. Ça, j'avoue que si tu me demanderais de choisir, je crois que je mets plus de budget dans mes optiques que dans mes boîtiers. Que dans des boîtiers. Parce que les optiques, c'est ce qui va donner ton angle. Je veux dire, un 14 mm ou même un 17, ben ça, c'est 14 mm. Ce genre d'optique, tu sais pas le refaire. Oui, tu peux faire deux photos dans Photoshop et puis faire un panorama, mais c'est quand même pas la même chose. Ce sera pas aussi subtil. Clairement. Mais écoute, Delphine nous dit que c'était une excellente session, que tu es passionnant. Nikki nous dit que c'est une très belle presse, très beau parcours, très beau travail, bluffant et super intéressant. Et voilà, des idées créatives plein la tête pour Thierry. Chapeau bas à l'artiste, beau travail, merci infiniment pour vos explications très claires. Merci à vous, tant mieux. L'objectif, c'est d'inspirer. Moi, si ça peut inspirer, moi, je suis satisfait. Donc. C'est ce qui compte. Écoute, c'est exactement ça, moi ça me va bien. Tu nous as beaucoup parlé pendant la session de ta recherche de texture et de substance dans les matières de tes photos. Ça tombe bien parce que demain on reçoit Vincent Gau qui est un 3D artiste et community manager sur l'équipe Substance. Donc pour tous les gens qui étaient sur Dimension dans leur pack Creative Cloud et qui vont découvrir Stager, Painter, Designer et Sampler, c'est demain à 14h. On se fait une grosse session. On a pas mal de trucs à vous raconter. Et puis, Pauline recevra Camille Buisson pour parler branding et business en fin de semaine. Et n'hésitez pas, hein, vous avez le droit d'apprécier, de liker la session. Vous avez le droit de vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Alors, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Beyond si vous y êtes. Et vous verrez aussi que sur le programme, vous pouvez ajouter à votre calendrier, que ce soit sur Google Calendar, Office, Apple, etc. Vous pouvez rajouter les prochaines sessions pour avoir un petit rappel, qu'on vous dise, tiens, ça commence, n'oublie pas de venir. Et puis, l'année scolaire se terminant, il nous reste encore quelques sessions la semaine prochaine. Mais restez avec nous, merci à tous en tout cas d'être très présents depuis le début. Xavier, merci encore pour ta présence. Un tout grand merci à toi et à Adobe France, parce que franchement, c'est aussi grâce à vous qu'on a l'occasion de partager comme ça, donc grand merci. Tout à fait, bah écoute, merci et à bientôt. Bye bye. À bientôt.